se font sur trois grands domaines. Gloire à Jésus. Amen. Quelqu'un peut faire un rappel? Le frère Baou peut faire un rappel? Amen. La dernière fois que nous avons vu ce thème sur les offrandes, on a dit que les offrandes se faisaient sous trois grands aspects. Oui. Et que le premier grand aspect des offrandes, c'est que le Seigneur, premièrement, nous voulait nous-mêmes en tant qu'offrande. Et on a vu pour texte de référence Romains chapitre 12, où l'apôtre Paul dit que la volonté du Seigneur, c'est que nous nous offrions nous-mêmes comme un sacrifice vivant, ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu. Amen. Donc on a compris que ce que Dieu veut premièrement, ce n'est pas d'abord notre argent, mais c'est que nous-mêmes nous puissions nous offrir volontairement comme un sacrifice. Et c'est ce qui plaît à Dieu premièrement. Amen. Et le second aspect qu'on a pu voir, c'est que après que nous soyons offerts nous-mêmes volontairement comme sacrifice vivant, la deuxième offrande que le Seigneur voudrait de nous, c'est nos sacrifices de louange. Amen. Nos sacrifices de louange. Et on a compris en fait que notre Seigneur, il siège dans la louange de son peuple. Amen. Donc il est important que devant toute situation, devant toute difficulté, nous soyons à mesure de louer le Seigneur. Et on a vu par exemple le cas de l'apôtre Paul et Silas qui, quand bien même qu'ils étaient dans la prison, ils ne se sont pas apitoyés sur leur sort, ils n'ont pas pleuré, mais au contraire, ils ont loué le Seigneur et le Seigneur s'est glorifié. Le Seigneur a pris plaisir à leur offrande. Amen. Et le deuxième aspect des offrandes qu'on a vu, c'est l'offrande de nos biens matériels. Et on a pris aussi pour texte de base, Proverbes chapitre 3, verset 9, qui dit comme ça que honore l'Éternel avec tous tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Donc on a compris que le Seigneur, en plus de nous-mêmes nous vouloir comme offrande, en plus de vouloir nos louanges comme offrande, il voulait aussi nos biens comme offrande. Amen. Donc voilà un peu. Très bien. On acclame le Seigneur. Voilà, je dis. Amen. Quatre fois, nous sommes à l'école. Amen. Nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est ça. Il faut que ces choses-là soient calées. Gloire à Jésus. Amen. Donc, on a vraiment largement. Souvent, j'ai touché certains termes, je suis revenu encore sur les aspects de vraiment s'offrir à Dieu soi-même. S'offrir à Dieu en offrant. Alléluia. Voilà, donc le premier aspect, on a vraiment touché cela. Le deuxième aspect aussi, j'ai donné souvent des exhortations. Alléluia. Et il faut qu'on touche le troisième aspect, parce qu'en réalité, c'est très important. Vous savez, dans toute relation d'amour, il y a un sacrifice à faire. Et dans le sacrifice, c'est pas seulement, par exemple, de passer du temps avec la personne qu'on aime. Mais vous allez regarder deux personnes qui s'aiment dans une relation d'amour, vous allez voir qu'il y aura une personne, vous allez voir qu'entre les deux, il y aura une réciprocité de don de soi, et puis de don de présent. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous voyez, quand tu aimes quelqu'un, on a dit, quand tu aimes quelqu'un, tu donnes à la personne. Donc on ne peut pas parler d'une relation d'amour s'il n'y a pas de donner. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Forcé, tu vas faire des années avec ta femme, mais il y a des moments, pour prouver réellement ton amour, tu vas lui faire réellement des dons, tout ça, des cadeaux, tout ça, pour prouver réellement ton amour. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Donc, dans une relation, même, dans toute forme de relation, d'amour, tout ça, il y a toujours cette action de donner. Et le Seigneur lui-même, il va nous donner une intelligence là-dessus. Il va nous donner une révélation. Il va dire qu'il y a plus de joie à faire quoi? À donner. Et quand le Seigneur disait qu'il a plus de joie à donner, vous savez dans quel contexte que le Seigneur le disait. Donc, il y a plusieurs manières de donner, il y a plusieurs types d'offrandes, comme le frère Baou vient de le rappeler tout à l'heure. Alléluia. Donc, vous savez dans quel contexte nous sommes. Donc, aujourd'hui, on va encore insister sur l'aspect des offrandes matérielles à apporter à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Quelqu'un peut me donner le plus grand commandement de Dieu? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée et de tout ton être. D'accord? C'est ça? Amen. D'accord, maintenant à ce commandement, le Seigneur a dit quoi d'autre? Qui ressemble? Oui, la sœur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Il dit de ces deux commandements, ça fait quoi? Un frère Baou. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Voilà. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Si vous réalisez même les 10 commandements, vous allez voir qu'il y a des commandements qui se tournent vers Dieu, il y a des commandements qui se tournent vers
Voilà. Donc, il y a les commandements qui montrent l'amour de Dieu. Il y a les commandements qui montrent aussi l'amour du prochain. Gloire à Jésus. Pourquoi j'ai touché cet aspect-là? Parce que Jésus, un jour, était en train de faire son ministère et les gens ont pris une pièce et ils ont demandé à ce que, d'abord, du moins, ils lui ont demandé est-ce qu'il doit payer les tributs à César, n'est-ce pas? Et ils voulaient tenter le Seigneur parce que les Romains étaient le peuple qui était venu dominer les Israélites. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas sur leur terre, ils sont venus pour dominer, selon la prophétie de Daniel. Parce qu'il y avait plusieurs royaumes qui allaient venir jusqu'au royaume de Rome. Donc ils sont venus, c'est qu'ils sont venus asservir le peuple. Donc, chez les Israélites, ce n'est pas normal qu'ils puissent également être spoliés. Amen. Ce n'est pas normal qu'ils puissent être asservis à l'ennemi. Donc, ils se sont dit que pourquoi les publicains, c'est pour ça qu'on appelait les autres publicains, parce que c'est eux qui travaillaient pour les Romains, pour prélever les taxes sur leurs propres frères. C'est pour ça que les autres les considéraient comme étant des païens, parce qu'ils ne se mettaient pas du côté du peuple pour se révéler. Amen. Donc, ils disent, mais est-ce qu'on doit payer? Toi, tu es venu de la part de Dieu qui nous délivre de nos ennemis. Amen. Maintenant, est-ce qu'on doit payer maintenant? Donc maintenant, Jésus va dire quoi? Vous êtes des lecteurs de la Bible, allons-y. Jésus va dire, oui. Il a demandé que cette pièce-là, c'est le nom de qui est inscrit. Ils ont dit à César. Donc, oui. Il a dit donner à César ce qui est à César. Il dit donner à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Donc, quelle est la différence entre César et Dieu? C'est simple. Entre César et Dieu, oui, vraiment. César est un homme. César est un homme. Oui, Dieu. Et puis Dieu est Dieu. Gloire à Jésus. Dans cette affaire, il y a donné. Donner. À ce qu'on donne à son prochain et à ce qu'on donne à Dieu. Ne prends jamais ce que tu dois donner à Dieu pour donner à ton prochain. Dis que, comme je devais donner à Dieu, je ne donne pas à Dieu, je pense à donner à mon prochain. Ça veut dire que j'ai déjà donné à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que voici aussi un piège. Les enfants d'Israël sont tombés dedans. Il y avait un commandement de Dieu qui disait qu'il fallait honorer ses parents. Gloire à Jésus. Ça, c'est le commandement de Dieu parmi les 10 commandements. Il faut honorer ses parents afin qu'on puisse avoir longue vie. N'est-ce pas? Et l'apôtre Paul va revenir sur ce commandement-là, même dans la Nouvelle Alliance dans Éphésiens. Gloire à Jésus. Amen. Mais comment on devait honorer les parents? On devait honorer les parents, ce n'est pas seulement dans l'aspect de les respecter. Il fallait aussi les honorer comment? Avec nos biens. Gloire à Jésus. Donc, si je dois honorer mes parents avec mes biens, et que je dois honorer aussi Dieu avec mes biens, et que je dois peut-être aussi donner aussi aux orphelins, ça va faire beaucoup. Je vais vous parler clairement. On va se parler. Amen, on peut se parler. Amen. Amen. Ça va faire quoi? Beaucoup. Mais la charge. Beaucoup de charges. Ça fait beaucoup de fois. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant être intelligent, en griffe. Et ça, c'est une ruse. Ce n'est pas l'intelligence de Dieu. C'est une ruse, c'est une malice. Ils vont faire quoi? Ils vont dire, bon, ok, ce que je dois donner à mes parents, je vais aller tout ce que je donne, comme offrande dans le temps, ça, c'est ça que je donne en même temps à mes parents. Est-ce que vous comprenez? Donc, je n'ai plus besoin de donner à mes parents parce que je donne à Dieu. Et Jésus dit non, ça c'est votre tradition parce que ma loi, la parole de Dieu, la loi de Dieu n'a pas dit ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Jésus dit la parole de Dieu n'a pas dit ça. Vous prenez vos traditions, vous asseyez dessus pour annuler la parole de Dieu. Qui se rappelle de ça? Amen. Parce qu'il avait parlé de ce qu'ils avaient plusieurs traditions. Maintenant, il avait cité une de leurs traditions qui était là. C'est pas seulement le côté où ils lavaient soigneusement les mains, tout ça, mais il y avait une tradition pour eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est un mauvais comportement. C'est un mauvais comportement que je faisais. C'est-à-dire qu'au lieu que je puisse aller donner encore à mes parents, tout ça, puis encore une donner à Dieu, c'est mieux que je vais donner à Dieu en même temps. Ça veut dire que toutes les fois que je donne à Dieu, je vais donner à mes parents. Donc vous voyez, ça c'est quoi? Et c'est l'intelligence. C'est la malice. C'est la méchanceté cachée. Et Dieu, le Seigneur, est venu dévoiler ce qu'il est en train de faire. Donc, il y a ce qu'on donne à l'homme. Parce que le côté César, c'est l'homme.
avec son prochain et à ce que on donne. Vous comprenez mon langage? Vous avez compris mon esprit, mon langage? Voilà. Donc, il y a ce qu'on donne à Dieu, il y a ce qu'on donne à l'homme. Il ne faudrait pas mélanger. Je dis que ah, ce que je devais donner à Dieu, j'ai pour vous donner à l'homme. Ce que je devais donner à l'homme, j'ai pour vous donner à Dieu. Gloire à Jésus. C'est bien clair? C'est clair? Ok. Donc, le passage de base que le frère Baruch a rappelé, c'était dans Proverbe chapitre 3, verset 9. Allons-y dans Proverbe chapitre 3, verset 9. Aujourd'hui, vous allez bien être éclairé même sur les affaires de dîme, tout ça. Voilà. Pourquoi il y a tant de débats? Pourquoi même ça fait des débats? Pourquoi il y a des discussions? Nous, en tant que les chrétiens dans la nouvelle alliance, voilà, est-ce que ces choses-là nous concernent tout ça? Voilà. Et pourquoi aujourd'hui, malheureusement, dès qu'on parle des offrandes matérielles, dès qu'on parle de finances dans l'église, ça fait fâcher les cœurs, ça fait froisser les visages. Ça montre qu'en réalité, les gens ne sont pas dans un bon esprit. Et il faut vraiment que ces choses soient bien réglées dans les cœurs. Sinon, ça sera dangereux. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Parce que c'est à travers ça que le Seigneur va voir si on l'aime ou bien si on ne l'aime pas. Vous savez, il va voir aussi à travers ça si on l'aime ou bien si on ne l'aime pas. Gloire à Jésus. Il y a beaucoup de péchés qui sont liés au don. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de péchés qui sont liés au donner. C'est-à-dire que quand tu ne donnes pas, par exemple, on appelle ça, il y a la cupidité, il y a l'avarice, il y a l'égocentrisme. N'est-ce pas? Voilà, donc c'est important. Donc ça veut dire que si quelqu'un ne donne pas, ne sait pas donner, n'a pas un caractère pour donner, n'a pas une habitude de donner, cette personne n'est pas dans la sanctification. Donc, on ne peut pas dire qu'on prêche la sanctification sans toucher ces aspects. Parce que ça va faire des gens qui ne sont pas adultères, qui ne sont pas fraudeurs, qui ne sont pas voleurs, mais qui sont des bons avares. Amen. Est-ce qu'ils seront dignes d'entrer dans le royaume de Dieu? Non. Parce qu'il y aura la tâche de l'avarice sur leur vêtement. Il y aura la tâche de l'égocentrisme sur leur vêtement. Il y aura la tâche de l'égoïsme sur le vêtement. Amen. Il y aura la tâche de la cupidité sur le vêtement. Il y aura la tâche de l'idolâtrie sur le vêtement. Amen. 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 Ok. Proverbe chapitre 3, verset 9 dit quoi? Proverbe chapitre 3, verset 9, comme c'est le passage de base qu'on va commencer à partir de ça. Proverbe 3, verset 9. Oui. Honore l'Éternel avec tes biens, oui, et avec les prémices de tout ton revenu. Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Donnez-moi ce verset encore dans une autre version, s'il vous plaît, sur une autre version. Oui, vas-y, vite. Oui. Honore le Seigneur en lui offrant ce que tu as. Honore l'Éternel en lui offrant ce que tu as. Donne-lui la première part de tes récoltes. Donne-lui la première part de tes récoltes. Oui. Proverbe chapitre 3, verset 9. Quelqu'un a une autre version encore? Honore l'Éternel. Honore l'Éternel. En lui donnant une part de tes biens. En lui donnant une part de tes biens. Et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. En lui offrant les prémices de tous tes revenus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Ici, vous voyez le sage qui parle. Amen. Amen. Il donne ici vraiment un conseil. Comme tous les conseils qu'il va donner dans les passages qui précèdent et dans les passages aussi, les passages suivants. Amen. Dans les chapitres suivants. Il va parler de la sagesse, il va parler de beaucoup de choses. Amen. Il ne va pas oublier de parler de ce que celui qui veut plaire à l'Éternel, celui qui veut plaire à l'Éternel, puisse honorer le Seigneur avec ses biens. Amen. Amen. Il y aura une conséquence même. Regardez la suite. Le verset 10, si je ne me trompe pas, regardez. Alors tes greniers seront remplis. Alors. Alors, ça veut dire quoi? Une conséquence. Ça explique quoi? Une conséquence. Ouais, non? En réalité, quand tu n'as pas compris ça, vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens de la Nouvelle Alliance qui n'aiment pas lire les paroles du prophète Malachie. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu des abus. Donc, lorsque les gens veulent enseigner, par exemple, le donner dans l'église,
Ils sont venus prendre le passage de Malachie qui dit dans Malachie chapitre 3, verset 10. Malachie chapitre 3 dit que apportez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. N'est-ce pas? Car si vous ne donnez pas cela, qu'est-ce qui va arriver? La malédiction est en train de vous frapper. Si vous donnez, les écluses des cieux vont s'ouvrir. Gloire à Jésus. Donc, c'est devenu maintenant, je peux dire, le passage phare qu'on prend en même temps pour enseigner aux chrétiens qu'il faut réellement entrer dans la pratique de la dîme. Donc, ça fait que il y a un esprit un peu légaliste, je peux dire comme ça. C'est-à-dire que où on oblige, on dit que, voilà, comment on exige, on oblige telle personne à porter. Donc, les gens se sentent oppressés. Vous voyez, ils se sentent oppressés. Donc, ça fait que on insiste sur cet aspect. Mais, je vais vous dire ce matin que le livre de Malachie, c'est une richesse dans tous. Malachie 1, Malachie 2, Malachie 3, Malachie 4. Tu maîtrises ça. Tu maîtrises Nouvelle Alliance. Pourquoi je le dis? Ah Seigneur, aide-moi ce matin. Pourquoi je le dis? Quand vous lisez dans Malachie chapitre 3, Malachie vient en tant que prophète pour annoncer qu'il y aura une réforme. Donc Malachie, ces prophéties sont des prophéties de réformation. Si bien qu'au chapitre 3, avant de parler d'offrande et dîme, il a parlé du messager de la nouvelle alliance. Mais je vous pose une question. Quand les choses sont dégradées, quand les choses sont mal faites, quand les choses sont renversées, et qu'on vient pour réformer, ça veut dire que ce qu'on réforme là, c'est ça que Dieu veut. N'est-ce pas? C'est ça que Dieu veut. N'est-ce pas? Mais vous savez qu'avant de parler réellement de dîmes, de offrandes qui vont ouvrir les écluses des cieux, tout ça, quand vous lisez le chapitre 1 et le verset 1 du chapitre 3, il annonce le messager de l'alliance. Écoutez bien l'esprit, hein, parce qu'on est en train de voir. Ça veut dire que vous allez voir que le prophète Malachie va, par exemple, revenir sur trois choses. Il va dire que Dieu est la répudiation. C'est pour ça que vous allez voir le messager de l'alliance, quand il va revenir pour prêcher. Il va faire quoi? Il va parler de ça. Suivez-moi très bien. Quand le messager de l'alliance, quand je veux parler du messager de l'alliance, je parle du Seigneur Jésus. Puisque le messager de l'alliance doit venir confirmer la réformation que le prophète a annoncée. Il a vu dans le peuple de Dieu un mauvais comportement, les gens ont abandonné la femme de leur jeunesse. Amen. Amen. Donc les gens sont rentrés dans l'infidélité. C'est de ça qu'il va parler. Comme on dit Malachie, le premier, deuxième chapitre, vous allez voir qu'il va parler de l'infidélité. Amen. Et il va parler aussi de l'honneur. Le principe d'honorer Dieu. Et c'est ça qu'on a voulu voir tout à l'heure. Honorer Dieu avec quoi? Voilà. Honorer Dieu avec ses biens. Il va revenir sur cet aspect. Maintenant, comme il y avait plusieurs manières d'honorer Dieu, il va dire dans quelle manière vous me déshonorez. Et c'est là qu'il va toucher maintenant dans les offrandes et les dîmes. Sinon, le problème de Dieu là, c'était quoi? Le problème de Dieu dans cette année, c'était quoi? Je viens de dire ça tout à l'heure. Il ne l'honorait pas avec les offrandes. C'était l'honneur. Puisque on vient de dire dans Proverbe chapitre 3 que quoi? Faut faire quoi? Faut honorer. Donc Dieu recherche l'honneur dans cette affaire. Donc quand tu fais, il y a des gens aujourd'hui qui pensent que, c'est-à-dire tout ce qui est derrière Matthieu, tout ce qui est derrière Matthieu, automatiquement, dès que tout ce qui est derrière Matthieu, c'est la loi. Bon, ce qu'on vient de lire là, c'est la loi. Ce qu'on vient de lire, c'est la loi. Si c'est la loi, c'est que le jour où les dans Genèse chapitre 4, Abel et puis Caïn, on ne leur a rien demandé. On est en train de lire Genèse jusqu'à dès qu'on arrive au chapitre 4, on nous dit que les deux enfants, Adam a eu deux enfants, un était cultivateur, l'autre était quoi? Berger. Et après ce moment, ils sont venus offrir en offrande à Dieu ce qu'ils avaient. Comme l'autre était cultivateur, il a pris les fruits de la terre, il a donné. Et comme l'autre était berger, il a pris également les prémices qu'il avait de l'agneau là, il a pris, il est venu donner cela aussi en offrande. C'est quelle loi qui avait dit ça?
Il n'y avait, la loi, mais il n'y avait pas la loi de Moïse. Il y avait la loi. La loi de Moïse. Il y avait la loi, c'est que la loi qu'ils avaient, c'est la loi d'honorer Dieu. Si ça, ce n'est pas une loi pour toi, c'est-à-dire que d'honorer Dieu, tu ne peux pas marcher avec lui. Parce que Dieu, ce n'est pas ton ami. Il faut qu'il y ait une loi entre vous. C'est que toi, tu es un homme, il est Dieu. Donc, il mérite d'honorer. Voilà la loi qui fait que vous allez marcher ensemble. Donc, eux, ils savent ça. Amen. Amen. Donc, ils prenaient réellement ce qu'ils avaient de précieux. La meilleure part, ils prenaient ça pour apporter également à Dieu. Ça, c'était principe. Ils avaient ça pour principe. Ce qu'on appelle principe, c'est une règle que caractérise. Amen. C'est pas ça. Donc, c'est une loi. Mais en ce moment, il n'y avait pas encore la loi de Moïse. Est-ce qu'on peut suivre jusque-là? Amen. Est-ce qu'on peut suivre bien jusque-là? Voilà. Donc, les gens ont pensé que tout ce qui est derrière Matthieu, c'est la loi, c'est la loi. Et ils ferment ça. Ils ne cherchent pas à comprendre la sagesse qui se trouve dans toutes ces paroles. Alors que, en réalité, il y a des paroles de la vie derrière Matthieu. Qui a inspiré les Écritures? Seigneur. On dit toute Écriture est quoi? C'est Dieu qui a inspiré les Écritures. Les prophètes qui ont parlé, on dit n'ont pas parlé sans l'Esprit de Christ. C'est-à-dire qu'on m'a parlé, elle était inspirée par Christ comme ça. On dit aucun prophète n'a prophétisé sans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc c'est poussé par l'Esprit de Dieu qu'ils ont parlé. Et quand l'apôtre Paul, par exemple, exhorte Timothée à s'appliquer aux Écritures, il n'est même pas en train de parler d'une épître, puisqu'en ce moment, il n'avait pas encore écrit les Épîtres. Amen. Il dit que l'homme de Dieu, là, doit être bâti. Il doit être assis dans les Écritures. Or, les Écritures, Jésus même a défini cela dans Luc chapitre 24, quand il a parlé avec les deux disciples d'Emmaüs. Les psaumes, la loi et les prophètes. Il dit, vous êtes lent à comprendre, à comprendre ce que les prophètes là ont dit, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est ça qui était, je peux dire, la base scripturelle. La base scripturelle sur laquelle les disciples vont s'appuyer pour avoir la révélation de Dieu. Amen. Donc ça veut dire que de Genèse jusqu'à Malachie, c'est ça qu'ils avaient comme les supports pour pouvoir. C'est ça. L'apôtre va demander à Timothée de veiller dessus, d'étudier cela, parce qu'il y a la sagesse de Dieu derrière. Il y a le Saint-Esprit qui veut te révéler des choses, les manières de Dieu, les voies de Dieu. Comment est-ce que tu dois appliquer certaines choses, telles choses que tu ne dois pas faire pour que tu sois agréable à Dieu, telles choses que tu dois faire pour que tu sois agréable à Dieu. Tout ça, il y a cette sagesse là-dedans. Amen. Donc, si tu as fermé ça, tu ne vas pas pouvoir comprendre. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Donc, le passage de base qu'on vient de lire, on a dit que, il dit, honore l'Éternel avec quoi? Avec tes biens. Avec tes biens. Et il a dit aussi, avec quoi? Avec les prémices de tes revenus. Voilà, les prémices de tes revenus. Maintenant, il a dit, alors. Donc, il y a une conséquence. C'est quelqu'un qui a pratiqué ça, qui a vu. C'est pour ça qu'il donne quoi? Conseil. Mais toi, tu ne peux pas discuter si tu n'as pas pratiqué. Tu ne peux pas dire non. Ah, donc, on va donner à Dieu pour pouvoir recevoir. Non. Jean, moi, je ne cherche pas à donner à Dieu pour recevoir. C'est une conséquence. Parce que ce que tu penses avoir, ce que tu as dans, ce qui est dans ta main, tu ne sais pas que c'est Dieu qui t'a donné. Donc, le principe pour que ça puisse, le fonctionnement puisse perdurer, c'est que tu dois faire quoi? Honorer toujours. Pour que le alors la vienne. Écoutez-moi très bien, je supplie ce matin. Puisqu'il dit, honore l'Éternel avec tes biens, que les prémices sont revenus. Et puis il dit, alors quoi? Il dit, alors tes greniers seront remplis d'abondance. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Et ne t'effraie point de ces châtiments. Non. Et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Amen. Bon, bien. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc ça. Il donne d'abord un principe, un conseil. Amen. Et maintenant, il montre la conséquence, le résultat. Et vous savez que même l'apôtre Paul va revenir sur ce qu'il a dit. On va lire ça tout à l'heure, qu'on va avancer. C'est pour cela que tout ce que les apôtres ont dit par rapport aux données, ce n'est pas une invention, ce n'est pas quelque chose qui sont assis maintenant pour commencer à écrire. Non. C'est tout ce que les gens avaient déjà dit là.
Puisque c'est Christ qui avait dit en eux. Amen. Tous ces prophètes, tous ces sages qui avaient parlé, c'est lui qui les a inspirés à dire cela. Donc eux, ils vont revenir là-dessus. Et on va lire ça ce matin. Tout ce que les apôtres vont prendre dans la loi pour enseigner l'Église, ils vont montrer ça ce matin. Amen. 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 Voilà. Maintenant, on a compris que dans le passage de base, il faut apporter à l'Éternel les prémices de ses revenus. Prémices veut dire quoi? On dit qu'on a l'Éternel avec tes biens, c'est-à-dire ce que tu as, et il ajoute aussi des prémices. Ça fait combien de choses dans ce qu'il a dit? Deux choses. Deux choses. Pourquoi et puis quoi, ma soeur Thierry? On va trouver ensemble, allons-y. Tes biens. Tes biens, oui. Plus les prémices. Donc, quelle est la différence? On va travailler ensemble, oui. Puisque tu as dit tes biens, et puis aussi les prémices de tes revenus. Donc, ça fait deux choses, non? Donc, quelle est la différence? Un prémice, c'est le premier fruit. Ok, la première part de ce que tu as, oui. Et puis? Bon. Tes biens aussi. Et puis tes biens. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il est en train de montrer par ce passage-là que les prémices, c'est une forme d'offrande. C'est pas ce que vous comprenez. C'est une forme d'offrande, c'est une forme de donner à Dieu. Puisque quand il a dit, honore l'Éternel avec tes biens, ça veut dire que ce que j'ai mes biens, j'honore l'Éternel avec mes biens. Volontairement, je décide de donner telle chose à Dieu. Ça peut être ce qui vient, en tout cas, selon ma prospérité, selon mes dispositions, selon mes dispositions du cœur, et puis selon ma prospérité, ce que je donne à Dieu. Mais quand il parle de, ici, dans l'aspect qui parle de prémices, prémices veut dire les premiers fruits. Amen. Donc, les prémices étaient une forme d'offrande. Et on va revenir sur cet aspect de prémices tout à l'heure. Donc, soulignez ça. On va revenir sur l'aspect de prémices. C'était une forme d'offrande. Donc, en tout cas, soyons patients. Amen. Amen. Soyons patients. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir d'abord, quand on vient de lire le passage, comment on appelle ça, mais, sachez que les prémices là, ça fait partie des offrandes. C'est une forme d'offrande. Voilà. C'est la même chose avec ce qu'on appelle par exemple les dîmes. Une dîme sera sacrifiée, sera donnée, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Une dîme là, c'est pour être donnée, non? Dans l'Ancien Testament, on lit la Bible, dans l'Ancien Testament, la dîme c'est la donnée, non? Donc quand on donne, ça veut dire que c'est quoi? C'est une offrande en réalité. Voilà. Donc c'est pour ça que les prémices aussi, elles et les prémices là, c'était pour gagner. C'était pour comprendre la part qu'on va donner à Dieu. Donc c'est une aussi offrande. Aide-moi un peu, parce que quand on parle de donner des prémices à Dieu, c'est la première fois qu'on donne tout ou bien on prend une partie. Parce que quand on parle de donner, les premières choses là, c'est-à-dire, est-ce qu'on garde une partie ou bien on donne tout à Dieu et puis maintenant le reste nous reviendra voir ou bien on va s'aimer. Très bien. Donc, et vous avez bien compris la question. Le passage qu'on va lire, on va lire tout ça là-dedans. On n'est même pas pressé. Donc, c'est une très bonne question. Et quand on va lire les passages, on va répondre en même temps. Amen. Amen. Donc, d'abord, ce qu'on a compris, c'est que dans tout ce qu'on appelle offrande, amen, il y a plusieurs types. Quelqu'un dit type d'offrande. Type d'offrande. Et on vient de voir dans le premier chapitre 3 que il y a ce qu'on appelle les prémices. On va comprendre maintenant pourquoi réellement les prémices. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Parce que, dans, comme j'ai dit, la grande famille de dans le grand thème d'offrande, si on prend par exemple le mot hébreu, on dit Misha. Maintenant, dans Misha, il y a des fois Misha veut dire don, volontaire. Il y a des fois Misha veut dire tribu ou bien taxe. Il y a des fois aussi Misha veut dire sacrifice. Je vais vous donner certains exemples rapidement. Quand on dit, quand Misha veut dire don par exemple, c'est-à-dire, quand Abel et Caïn viennent donner l'offrande à l'Éternel, vous voyez que c'est spontanément, n'est-ce pas? Voilà, c'est volontairement, spontanément, ils ont reçu leur révélation, ils sont venus à former. Amen. Il n'y a pas de règle, mais Dieu a parlé, Dieu a donné une ordonnance pour faire. Après ça, vous allez voir qu'il y a l'aspect tribu. Par exemple, on a pris dans le cas de Malachi. Puisque Dieu d'abord avait commencé à fonctionner avec une personne, après il va fonctionner avec une famille, après la famille va devenir un peuple. Quel d'accord avec moi? Il va marcher sur la suite d'abord avec les Lors, les Abraham, Isaac, Jacob, tout ça. Et il va marcher maintenant avec la famille d'Abraham, la postérité d'Abraham. Donc à partir du moment où ils vont sortir de l'Égypte,
Ils étaient en Égypte à Goshen. Quand ils vont sortir de Goshen, ils vont sortir d'Égypte, ils seront dans le désert. Ils vont former un peuple en alliance avec Dieu. Ils seront maintenant comme une nation. N'est-ce pas? Ils seront plus une nation. Donc, Dieu maintenant va donner des institutions pour régulariser les choses. Amen. Amen. Pour arranger les choses, pour institutionnaliser les choses. Amen. Et c'est là qu'il va parler maintenant de la dîme comme étant une obligation, en fait. Cette obligation, c'est un peu vraiment un peu formé, un devoir. Est-ce que vous me comprenez? Un devoir. Pourquoi il devait avoir ce devoir? C'est pour le fonctionnement. C'est pour que ça puisse toujours fonctionner. Que la nation puisse toujours fonctionner. Je vous explique. On voit que Abraham va donner par exemple ce qu'on appelle la dîme de tout avec Isidèque. Amen. Et on a vu la portée cela une fois. Par reconnaissance, parce qu'il est allé en guerre. Et quand il a remporté la victoire, il a pris la dîme du butin. C'est-à-dire ce qu'il a gagné en guerre. Ce qu'il a eu, puisque Dieu lui a donné la vie sauve, donc par reconnaissance, il pouvait mourir en guerre. Donc, il dit merci à Dieu qui l'a gardé. Parce qu'il y avait plusieurs rois dans cette guerre-là. Il est resté le vainqueur. Amen. Il a même libéré, tout ça, son neveu, tout ça, dans cette guerre. Donc, il veut être reconnaissant vers l'Éternel. Donc, maintenant, il a pris la dîme du butin, donner cela. Donc, là, c'est volontairement. Amen. Mais vous allez voir encore même avec Jacob. Jacob va dire que Seigneur, si tu me bénis, je vais te donner la dîme. Amen. Il ne faut pas que quelqu'un va me demander non que est-ce que Jacob a donné ou bien il n'a pas donné. Je vous pose même la question avant de continuer. Est-ce que Jacob a donné ou il n'a pas donné? Non, puisqu'on n'a pas écrit ça dans la Bible. Il a fait le feu. Au moment où il a fait le feu, là. Et puis après, on a continué sur l'histoire. Je vous pose la question, est-ce que Jacob a donné ou il n'a pas donné? Où est la main? Il a fait une promesse aussi. Une promesse, là, c'est une lettre. Oui, parlez. Est-ce que vous. Parce que quelqu'un va vous dire que. Mais on a vu Abraham a donné une séquelle. Mais on dit que Jacob a fait le vœu. Est-ce que Jacob a. Maintenant, vous pose la question, puisque ce n'est pas écrit, on n'a pas vu l'histoire où il est donné. On a continué l'histoire, ce qu'on a vu maintenant dans les enfants d'Israël, d'Égypte, tout ça. Maintenant, vous pose la question. Parce que la Bible, il faut bien lire la Bible. Vous-même, vous êtes en train de dire que quand on fait un vœu, on fait quoi? On a compris. Jacob était un patriarche. Jacob est devenu Israël, c'est un patriarche. Donc, on n'a même pas besoin de dire qu'il a accompli ce vœu-là. Ça veut dire qu'il a accompli ce vœu. Si Jephthé a accompli le vœu, c'est pas lui qui ne va pas accomplir le vœu. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Donc, là, c'était par reconnaissance. Mais quand le peuple va devenir une nation, quand la famille de Jacob va devenir une nation au sortir de l'Égypte, il faut faire fonctionner le peuple. Amen. Il faut faire fonctionner le peuple. C'est là que Dieu maintenant va leur demander, je vous ai fait grâce. Que vous puissiez sortir de l'Égypte avec des biens. Donc, même pour me construire même la tente là, tout ce que vous avez réellement sur vous, tout ça, apportez-moi selon ce que vous voulez m'apporter volontairement, on va construire tout ça. Ça, c'était des offrandes volontaires. Après, il va parler maintenant de la dîme. Là, maintenant, il va revenir lui encore lui-même. C'est lui, il va se faire sortir sa bouche. Il va revenir maintenant sur l'aspect de la dîme. Pourquoi? Parce que quand ils sont arrivés, dans le désert qu'ils devaient aller dans Canaan, ils devaient aller posséder, chaque tribu devait aller posséder son territoire. Amen. Donc on va prendre un patrimoine, chaque tribu. Mais il a dit, Lévi n'aura pas de patrimoine qui reste vraiment Canaan. Tout le monde va avoir, sauf Lévi, la tribu de Lévi. C'est eux-mêmes, et c'est moi-même, je serai leur héritage. Amen. Je serai leur héritage. C'est quoi? Je serai leur héritage. Gloire à Jésus. Et puis maintenant, il va expliquer. Il va dire, quand vous étiez en Égypte là, comment je vous ai fait sortir de l'Égypte? La dernière plaie, c'était quoi? La tuer pour les premiers-nés. Les premiers-nés. Il a dit d'abord, Israël est mon fils, mon premier-né. N'est-ce pas? Laisse aller mon fils, mon premier. Si tu ne le laisses pas aller, je vais tuer tous les premiers-nés qui sont chez toi. Et Pharaon n'a pas à résister. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les premiers-nés de l'Égypte sont morts.
Et c'est Israël qui est. Israël est sorti vivant. Maintenant, il dit, les premiers-nés m'appartiennent. Donc il va établir maintenant ça en tant que maintenant loi. Les premiers comme les premiers-nés m'appartiennent. Vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte, là, les premiers-nés m'appartiennent. Maintenant, moi j'ai choisi Lévi. Comment hein? La tribu de Lévi, des Aaron, j'ai choisi comme premier-né. C'est-à-dire que comme ceux qui me. Je les rachète. Au lieu de prendre le premier-né, eux, je les rachète pour moi. Et tout s'en va de ça tout à l'heure. Amen. Voilà. Donc, il a dit, Israël est mon fils premier-né, c'est vrai, mais en réalité, quand il va donner le patrimoine terrestre de Canaan à tout le monde, il va donner aussi à Lévi. Amen. Pourquoi? Il dit, Lévi doit se désengager des affaires terrestres, séculières, pour s'attacher à mon service. Puisque c'est un peuple religieux. Je vais dire mon expression. Israël est un peuple religieux. N'est-ce pas? Un peuple spirituel. Donc, il faut que le sacerdoce, c'est-à-dire le service religieux, il faut que ça puisse fonctionner. Donc, qui va s'occuper de ça? Donc, on prenait maintenant les Lévites, qui sont la tribu où Aaron était. Amen. C'est Aaron qui est le patriarche. Donc, ils vont dire que vous allez vous charger de tout ce qui réellement est service dans le temple. Aaron, lui, va s'occuper même de la Aaron et sa famille vont s'occuper de ce qui est à l'intérieur même de sacerdoce à l'intérieur. Tout ce qui est sacrifice qu'il faut faire, tout ça, c'est Aaron et sa famille. Donc, c'est eux qui seront attachés à ça. Amen. Les autres, eux, ils pourront travailler, ils pourront cultiver, ils pourront être bergers, cultivateurs, tout ça. Mais dans ce qu'ils vont avoir, qu'ils puissent me réserver une part à moi, pas à Aaron, pas à Lévi. Mais à moi. Maintenant, comme quand vous allez venir me donner, vous ne pouvez pas aller lancer ça. Pour que ça arrive, non seulement dans le milieu très simple ou encore même au ciel, il y a des gens qui vont prélever ça pour moi. Et ce que j'ai consacré pour cela, ce sont les Lévites. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Ce sont les Lévites. Donc, lisons maintenant. Donc, à partir de ce moment, une fois que les Lévites vont venir prendre cela de la part de Dieu, ça devient comme quelque chose de. C'est une rédévance. Puisqu'on avait parlé de l'aspect reconnaissance. Au temps de Abraham, et puis au temps de. Comment il appelle Isaac, Jacob, tout ça. Donc, ils sont les deux librement, on ne leur a pas donné une loi, comme ça, c'est eux qui sont venus pour apporter, n'est-ce pas? Maintenant, à partir du moment où ils vont former un peuple, ça devient une rédévance, n'est-ce pas? Puisque il y a un devoir, c'est un devoir pour chaque réellement habitant de venir apporter. Donc, l'aspect redevance. Ce que j'ai tenté d'expliquer tout à l'heure, vous avez dit que dans les aspects de d'offrande, signifie Micha en hébreu, il y a le don volontaire, il y a le tribut ou les taxes, et puis il y a aussi l'aspect sacrifice. C'est-à-dire le fait de c'est un dépassement de soi. Le fait de. Comment on appelle ça même? Vous allez voir, je donne un aspect. Quand Jésus est allé avec ses. Je donne un exemple. Quand Jésus est allé avec ses disciples dans un temple, dans une synagogue, et puis les gens étaient en train de donner. Il y avait une femme qui était là. Vous avez vu la femme, une veuve, qui était dans une situation difficile, qui avait quoi? Une pièce. C'est tout ce qu'elle avait pour vivre. C'était tout son fond. Les gens sont venus donner. Et quand elle avait sa pièce, elle est venue donner. Jésus a appelé ses disciples, demandé qui a donné, vous savez qui a donné beaucoup, que c'est celle-là, la dame, la veuve, c'est elle qui a donné plus que tous les autres. Vous avez déjà lu ça? Qui n'a pas lu ça? Donc c'est elle qui a donné plus que les autres. Donc elle a donné d'un esprit sacrificiel. Amen? Amen. C'est-à-dire qu'il y a l'acte de foi dedans, mais c'est plus que ça. C'est d'un esprit sacrificiel parce que c'est tout ce qu'elle a pu donner. Donc, comme vous allez voir dans la Bible, chaque fois qu'on va parler de offrande, ce sont peut-être ces trois aspects-là que vous allez voir. Est-ce que vous comprenez maintenant ce que je dis? Quand on va parler d'offrande, quelles que soient toutes les formes, prémices, dons volontaires, dîmes, vœux, tout ça, ça va remplir réellement ces trois aspects. L'aspect de don volontaire, l'aspect de tribut, taxe, ou bien l'aspect de sacrifice. C'est bon maintenant?
Voilà. Maintenant, allons-y lire dans Nombre, chapitre 18. Nombre, chapitre 18. Nombre chapitre 18. Tenez Nombre chapitre 18. Vous allez comprendre par rapport aux questions que Papa Tano avait posées, tout ça. On va lire tout ce qu'on vous a dit. Tout le monde prend Nombre chapitre 18. Vous avez dit tout à l'heure qu'on va beaucoup travailler ensemble, n'est-ce pas? Voilà, on va travailler ensemble pour qu'on puisse bien comprendre les choses. Nombre chapitre 18, verset 1. Oui. L'Éternel dit à Aaron. Donc, l'Éternel dit à Aaron. Toi et tes fils. Toi et tes fils. Et la maison de ton père avec qui connaît, toi. Qui connaît les fils d'Aaron? Qui connaît les fils d'Aaron? Quelqu'un peut me donner le nom des fils d'Aaron? Oui. Eléazar. Eléazar, oui. Nadab. Nadab. Oui. Abiram. Abihu. Abihu. Itamar. Ouais. Voilà. Donc, c'est Nadab et Abihu qui sont morts. Parce qu'après, il a fait le feu étranger. Amen. Amen. Après ça, maintenant, il y avait Eléazar et puis Itamar. Donc, comme Eléazar était l'aîné d'Itamar, c'est pour ça qu'on parle plus de Eléazar. Amen. Est-ce qu'on peut y aller? Voilà. Ok, allons-y. Il dit, toi et tes fils, et la maison de ton père avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans le sanctuaire. Oui. Toi et tes fils avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce. Donc, dans l'exercice de votre sacerdoce, c'est celui qui devait s'occuper du service dans la maison de Dieu. Vous savez, la maison de Dieu, c'est avec la tente là. La tente avait le lieu, le pavis, le lieu saint, le lieu très saint. Il fallait faire les sacrifices. Qui allait continuer les sacrifices. En ce temps, Dieu avait utilisé l'expression sacrifice perpétuel. C'est-à-dire que c'est le sacrifice qui devait continuer pour que Dieu puisse être réellement en accord avec le peuple. Mais Dieu était l'esprit, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Donc cette affaire de sang-là devait beaucoup couler. Jusqu'à ce que le sang de Jésus puisse réellement mettre fin aux multiples sacrifices d'animaux et de tout ça, les sacrifices d'animaux, tout ça. Amen. Amen. Voilà, continuons, allons-y. Fais aussi approcher de toi tes frères. Fais aussi approcher de toi tes frères. La tribu de Lévi. Donc, puisque c'est de là que tu es ici. N'est-ce pas? Amen. C'est frère, la tribu de Lévi. Donc, tous les Lévites, il y avait les Lévites et puis il y avait les sacrificateurs. Vous savez ça? Il faut faire la différence. Et ça, on avait parlé de ça quand on parlait de l'affaire de Corée, Dathan et Abiram. On avait dit que Moïse avait dit, Dieu vous a fait grâce même pour que vous vous attachiez au service. Dans de ces choses, des choses de Dieu. Mais vous convoitez encore le sacerdoce. Amen. On avait parlé de ça. Donc, il y avait ce que la famille Aaron et sa famille faisaient, et il y avait aussi ce que les Lévites faisaient. Et il va expliquer tout ça. Allons-y, allons-y seulement. Fais aussi approcher de toi tes frères. Fais aussi approcher de toi tes frères. La tribu de Lévi. La tribu de Lévi. La tribu de ton père. Oui. Afin qu'il te soit attaché et qu'il te serve lorsque toi et tes fils avec toi. Vous serez devant la tente du témoignage. Oui. Ils observeront ce que tu leur ordonneras et ce qui concerne toute la tente. Donc, c'est comme si en réalité, c'est eux qui sont les assistants. C'est eux qui sont les assistants des Aaron et sa famille, des sacrificateurs. Oui. Mais ils ne s'approcheront ni des ustensiles du sanctuaire, ni de l'autel, de peur que vous ne mouriez, eux et vous. Ils te seront attachés. Et ils observeront ce qui concerne la tente d'assignation pour tout le service de la tente. Oui. Aucun étranger n'approchera de vous. Oui. Vous observerez ce qui concerne le sanctuaire et l'autel. Oui. Afin qu'il n'y ait plus de colère contre les enfants d'Israël. Allons-y. Voici, j'ai pris vos frères, les Lévites du milieu des enfants d'Israël. Donnez à Dieu. Comprenons. J'ai pris vos frères. Les Lévites, du milieu des enfants d'Israël. Du milieu des enfants d'Israël. Donnés à Dieu. Ils sont donnés à Dieu. Donc c'est eux qui sont donnés à Dieu. Oui. Ils vous sont remis en don. Maintenant, Dieu maintenant, regardez l'expression. C'est sur ça, c'est sur ces choses-là qu'on va bien étudier ce matin. Ils sont donnés à Dieu.
Et Dieu maintenant le donne maintenant à Aaron et sa famille. Il donne à Aaron au sacrificateur, comme serviteur. Comprenez-vous? Allons-y. Ils vous ont donné un don pour faire le service de la tente d'assignation. Toi et tes fils avec toi, vous observerez la fonction de votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel, pour ce qui est en dedans du voile. C'est le service que vous ferez. Pour ce qui est en dedans du voile, c'est le service que vous ferez. Oui. Je vous accorde. Maintenant, il dit, moi, Dieu, je vous accorde un pur don. L'exercice du sacerdoce. Oui. L'étranger qui approchera sera mis à mort. Oui. L'Éternel dit à Aaron, voici de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël. Maintenant, il dit, voici de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël. Consacrer, c'est quoi? Mettre à part pour Dieu. Vous comprenez, non? Donc, vous pouvez écrire ça en même temps. Ça va vous aider. Donc, répète l'expression. L'Éternel dit à Aaron, oui? Voici, oui? De toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël. Donc, tout ce que vous apportez à Dieu, on consacre ça. Ce n'est pas quelque chose que tu marches, tu dois payer quelque chose dans la rue, et puis, par désinvolture, tu viens apporter comme ça. C'est-à-dire que tu dois payer quelque chose, des monnaies, des restes que tu as, ça que tu viens pour donner. On ne fait pas ça. Tout ce qu'on donne à Dieu, on consacre ça. Vous voyez, ça devient sanctifié. Est-ce que vous me suivez, non? Est-ce que vous comprenez l'esprit de l'écran en train d'arriver? Ou bien c'est trop? C'est simple, non? Voilà. Allons-y. Je te donne celles qui me sont offertes par révélation, par élévation. Je te les donne. À toi et à tes fils. Comme droit d'onction. Par une loi perpétuelle. Regardez, soulignez ça bien. Mettez même à côté, même 1 Corinthiens 9. On va revenir dessus. Répète ça. Voici. Oui. De toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël. Je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Moi maintenant je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression? Celles qui me sont offertes par élévation, ça veut dire quoi simplement? C'est qui pour l'élever? C'est qui? C'est que les enfants d'Israël ont pour l'élever pour lui, il leur donne ça. C'est qu'on donne à Dieu comme offrande. Ça qui lui est fait par élévation, ça qui monte, non? Oui. Je te les donne à toi et à tes fils comme droit d'onction. Maintenant, mon Dieu, là, je te les donne comment droit d'onction. Voilà. C'est mon Dieu, je te donne cela comme droit d'onction. Droit d'onction aussi souligné. Parce que droit d'onction a plusieurs définitions. Allons-y. Par une loi perpétuelle. Allons-y. Voici ce qui t'appartiendra parmi les choses très saintes qui ne sont pas consumées par le feu. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit par là? Il dit, voici des choses très saintes qui sont quoi? Ils ne sont pas consumées par le feu. Ils ne sont pas consumées, faut bien. Voici les choses très saintes. Voici ce qui t'appartiendra parmi les choses très saintes qui ne sont pas consumées par le feu. Voilà. Dans les offrandes qu'on apportait, il y avait des offrandes, ce qu'on appelle par exemple holocauste. Sacrifice holocauste. Quand vous lisez la loi, vous allez voir ça plusieurs fois. Et quand on parlait d'offrandes, on cite ça pour en premier. On va parler des sacrifices holocaustes. Et puis après, quand on va parler des offrandes holocaustes, après on va parler de l'offrande d'expiation, offrande de culpabilité, tout ça. Mais c'est comme si c'était le premier terme holocauste. Holocauste là, c'est-à-dire le sacrifice qu'on donne, Dieu met le feu dessus. C'est-à-dire que quand Dieu exauce là, ça consume ça entièrement. Donc il n'y a rien. Ça consume ça. Amen. Maintenant, les offrandes qui ne seront pas consumées là, ça va rester, non? Voilà. Il dit ça, je vous donne ça. Maintenant, on va expliquer l'aspect spirituel de l'holocauste, quand ça vient, ça consomme tout. Et c'est ça qu'on a plusieurs fois enseigné, plusieurs fois ici. Parce que c'est le symbole, en fait, ici, de s'offrir soi-même. C'est-à-dire que c'est de se donner entièrement soi-même à ça qui est là. Et c'est pour ça que ça venait toujours en premier. Mais tout ça, on parlera de ça si Dieu nous permet. Amen. Allons-y. Voici ce qui t'appartiendra parmi les choses très saintes qui ne sont pas consumées par le feu. Oui. Toutes leurs offrandes. Oui. Tous leurs dons. Oui, point. Toutes leurs offrandes, tous leurs dons. Oui. Tous leurs sacrifices d'expiation. Et tous leurs sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront. Oui, il y a plusieurs choses, non? Oui.
plusieurs sacrifices de culpabilité qui m'offrent. Donc, il y a offrande, il y a don, et puis il y a sacrifice de culpabilité, sacrifice d'expiation. Vous devez savoir ce que Jésus-Christ a accompli dans tout ça. C'est-à-dire que ce que Jésus-Christ est venu remplacer. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ce que quand Jésus est venu naître là, c'est fini. Regardez, lis encore les choses qu'on a citées. Toutes les offrandes. Toutes les offrandes. Tous leurs dons. Leurs dons. Tous les sacrifices d'expiation. Les sacrifices d'expiation. Et tous les sacrifices de culpabilité. Les sacrifices de culpabilité. Ouais. Vous pouvez savoir ce que Jésus-Christ est venu accomplir dans cette vie. Allons-y. Ces choses très saintes seront pour toi et pour tes fils. Oui. Vous les mangerez dans un lieu très saint. Oui. Tout mâle en mangera. Oui. Vous les regarderez comme saintes. Oui. Voici encore ce qui t'appartiendra. Écoutez bien, restez concentrés. Tous les dons que les enfants d'Israël présenteront par élévation et en les agitant de côté et d'autre, je te les donne à toi. Voilà. Donnez-moi la version de Sébel là. Qui a ça là-bas? Donnez ça à quelqu'un. Donnez ça à quelqu'un. C'est la personne qui peut lire. Tu peux lire. Donc, il faut toujours rester concentré. Oui. Oui. Allons-y seulement. Okay. Je te donne les prémices qu'ils m'offriront, voilà, à l'Éternel. Il dit, je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel. Qu'ils offriront à l'Éternel. Je te donne, puisqu'on avait dit quoi? Dans Proverbes chapitre 3, verset 9, on avait dit que les promesses étaient à qui? Les promesses étaient à l'Éternel. Du tout, en fait, tout ce qu'on appelle offrande là. Donc, ce n'est pas à un pasteur. L'offrande n'est pas pour un pasteur. Homme de Dieu, je suis venu te donner mon offrande. Tant que tu vas penser que c'est à l'homme là que tu donnes offrande, tu n'as pas donné, c'est pas à Dieu qui a donné. Ça, c'est les réalités que vous devez comprendre d'abord. Comme ça, tu sais que tu n'es pas venu rendre un service à un homme, tu es venu donner à Dieu. Quand il venait pour donner là, c'est à Dieu qui donnait. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, celui que Dieu avait choisi pour recevoir cela de sa part, c'est les sacrificateurs. Amen. Amen. Voilà. C'est eux qui recevaient cela de la part de Dieu. Donc, comme c'est eux qui reçoivent cela, Dieu dit que comme vous avez reçu cela de ma part, c'est moi maintenant je vous donne. Vous comprenez? C'est spirituel, hein? Est-ce que vous me suivez? Amen. Voilà. Allons-y. Je te donne la prémisse qu'ils offriront à l'Éternel. Oui. Tout ce qu'il y aura de meilleur en huile, tout ce qu'il y aura de meilleur en moût et en blé. Maintenant, il dit, tout ce qu'il y aura de meilleur, soulignez meilleur. Vous savez pourquoi il parle de meilleur? Richement, pourquoi il parle de meilleur? Pourquoi il parle de dit meilleur? Parce que le Seigneur aime ce qui est bon, c'est un roi. Comprenez ça. C'est ça qui m'a lâché dans les dire. C'est l'honneur qu'il veut. C'est ça qui passe bien du meilleur. C'est pas. C'est pour ça que quand on n'a pas donné autant de malachie, les gens commencent à donner ce qui est bizarre. Dis d'accord. Prenez ça. Allez-y, donnez ça au président de la cour, à votre gouverneur. S'il accepte, mon Dieu, il accepte. Vous comprenez, non? Parce que quoi? Qui, si par exemple, le président de la République ou bien une autorité, un ministre, arrive chez lui, il ne va pas se préparer. Si. C'est qui? Tout le monde va se préparer. Parce qu'il y a un principe d'honneur. La personne qui vient là mérite d'honneur. Donc, tu vas dire que, ah, si tu as l'habitude, par exemple, de faire les soirées, chap, chap, tu vas te demander, est-ce que ces soirées, tu as fait? Non, il faut me dire. Non. Après, ils ont dit, non, on fait les choses par. Eh, tout le monde là, tout le monde est. Comment ils disent ça? Aidez-moi. Dieu ne fait exception de personne. Ils sont dans le faux contexte. Dieu ne fait exception de personne que tout le monde, toi-même, quand nous on vient chez toi là, on peut prendre le spaghetti. Mais le jour que le ministre va venir, tu as fait quoi? Quand tu lui-même, c'est pas une bonne chose. Tu vois? Parce que c'est la loi de l'honneur. C'est des choses, on ne peut rien faire pour ça, ça fait partie. Jésus, quand il parlait de quand on t'invite là, il dit que faut pas aller t'asseoir comme ça. Parce que si tu as soif devant là, c'est là que tu as compris ce qu'on a fait. Il y a des gens, quand ils vont venir, toi on va te déplacer. Toi, va t'asseoir là-bas. Pourquoi Jésus a mis ça dans la vie?
C'est bien normal. C'est parce que ça fait partie de la vie. Un, tout le monde a, on doit honorer tout le monde. C'est un principe. Maintenant, dans le principe d'honorer tout le monde, il y a des degrés. Si tu n'as pas compris ça, tu vas te mélanger. Il y a des degrés, hein, Sylvie. Voilà. Il y a des degrés. C'est pour cela que toi-même, quand le fils arrive, normalement, les assiettes qui sont chez toi, ce que tu manges dans cette assiette que tu manges ordinairement chaque fois, là, le jour que c'est venu, ça arrive là. Tu deviens infidèle. Viens utiliser cette expression pour que ça te choque. Tu laisses les assiettes là, que tu as l'habitude de manger dedans, tu te vas chercher ce qui est précieux. Là. On appelle ça vase d'honneur. N'est-ce pas? On appelle ça vase d'honneur. Tu te vas prendre ça, et puis maintenant, c'est dans ça que tu sais. Pourquoi tu es juste envers les autres assiettes? Tu es parti prendre maintenant l'autre assiette. Est-ce que quand tu fais ça, tu pêches, tu sens dans la tête que tu pêches? Non. Hein? Voilà. Quand il y a une grande personne, un tonton, un oncle, ou bien quelqu'un qui quitte en Europe pour venir, qui quitte quelqu'un qui te coûte cher ici, voilà, un ami précieux, un ami vraiment d'enfance, vous n'avez pas vu jusqu'à un jour vous êtes vu. Et puis vraiment, il dit qu'il va venir chez toi à la maison, tu es content, tu veux l'honorer. Donc, gobelet que tu sais, tes enfants, c'est dans ça que tu t'emmènes. Pourquoi tu laisses les gobelets? Tu es juste envers eux? Non. C'est parce que c'est normal. C'est là, voilà. Donc, tu dois honorer la personne, tu vas prendre un verre. C'est souvent un verre que tu n'as pas encore utilisé. On va laver ça. D'autres, mais souvent, on oublie même de faire la peinture de la maison que aussi voit cette personne. Écoutez-moi bien, vous parlez. Si Jésus m'a parlé de ça, il dit que non, l'autre va quitter, toi, tu vas partir derrière, on va emmener quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'il est en train de parler des précis d'ordre. Quand il est rentré dans la maison de Simon, et puis la femme est venue se prosterner devant ses pieds, elle a commencé à pleurer, prendre les cheveux de sa tête, essuyer, tout ça. Qu'est-ce qu'il a rappelé à Simon? Quand je suis venu dans ta maison, là, et quoi? Est-ce que tu as emmené un de tes serviteurs pour faire quoi? Jésus voulait se gonfler. Non. Tant de parler des précis. Est-ce que c'est clair? Amen. Voilà. Donc, il faut bien comprendre ça. Donc, il y a ce que réellement on a. Il y a ce qu'on apporte à l'Éternel pour l'honorer. C'est pour ça qu'il a parlé de meilleur part. Non, c'était juste. Meilleur part dans l'esprit. Non. Meilleur part. Ce n'est pas quelque chose qui te reste, quelque chose qui est là-bas. Non, non, non. Ce que tu dois réellement apporter toujours à Dieu, ça doit être quelque chose qui coûte. Ne meurt pas, toujours une valeur. Ce n'est pas quelque chose de bizarre. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oui. Les premiers produits de la terre qu'ils apporteront à l'Éternel seront pour toi. Est-ce que vous comprenez maintenant, prémisse? Les premiers produits de la terre qu'ils apporteront à l'Éternel seront pour toi. Donc voilà ce qu'il en appelait prémisse. C'est-à-dire que premier produit. Amen. Premier fruit. Par exemple. Premier enfant. Amen. Premier enfant. J'ai mon premier enfant. C'est ma prémisse, non? C'est ma prémisse, non? C'est-à-dire que c'est mon premier fruit. Voilà. Donc, prémisse, ça veut dire quoi d'abord? On a premier fruit. Premier, voilà. Ce qui vient premier. Voilà. Amen. Voilà. Donc, il faut bien comprendre. Donc, il peut y avoir prémisse de tout. Il peut y avoir prémisse d'animal, d'un animal. C'est ça. Il peut y avoir prémisse. Des salaires, il peut avoir prémisse. Des enfants, parmi les enfants, il peut avoir prémisse, voilà, dans la postérité. Donc, chaque aspect peut avoir prémisse. Donc, prémisse d'abord, ça veut dire quoi? Premier, ce qui vient en premier. Voilà. Donc, quand tu n'as pas compris ça, tu risques de mélanger les choses. Non, prémisse, non, non, prémisse veut dire premier fruit. Maintenant, Dieu dit dans son principe, quand il a pris ça dans chaîne, il dit que prémisse, ça lui appartient. Allons-y. Les premiers produits de leur terre qu'ils apporteront à l'Éternel seront pour toi. Oui. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Oui. Tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour toi. Il dit tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour toi. Donc vous voyez qu'il y avait beaucoup de privilèges sur Aaron. Allons-y sur nous. Tout premier-né. Maintenant, il dit, toute chair. Tout premier-né de toute chair. Qu'ils offriront à l'Éternel. Qu'ils vont offrir à l'Éternel. Tant des hommes que des animaux. Voilà. Tant des hommes que des animaux. Seront pour toi. Seront pour toi. Voilà.
Puisqu'en réalité, je vous ai parlé de cette affaire des premiers-nés. Puisque c'est dans cette affaire les premiers-nés qui sont sortis d'Égypte. Donc Dieu les rappelle cela toujours. Et il en fait une loi perpétuelle avec le peuple d'Israël. Alors qu'ils sont en train de travailler dans un esprit. Seulement, mais dit seulement, tu feras racheter le premier-né de l'homme. Pourquoi il dit, vous savez pourquoi il dit ça? Parce qu'on doit venir donner cela comme offrande. Et dit, tout premier-né, tout cher lui appartient. Donc ça veut dire que si moi j'ai fait mon premier enfant, ça appartient à qui? À Dieu. Voilà. Donc je dois venir sacrifier mon enfant à Dieu. Voilà. Maintenant il dit, ben, si tu viens me donner ton enfant, tu sais quoi pour Anna? Qui me suit même? Si tu viens me donner mon, tu viens me donner ton enfant, c'est plus pour toi. Voilà. Donc, maintenant il met seulement. Hey, Dieu est trop intelligent. La loi pour bâtir l'île. Tu as connaître la parole de Dieu. Oui, seulement, seulement tu feras racheter le premier-né de l'homme. Tu feras racheter. Ah. C'est ça qu'ils ont bâti faire quand Jésus est venu. Ah. Tout ça, c'est ça. Donc, le premier-né est là. Donc, tu vas aller donner le premier-né. Puis tu donnes le premier-né, tu n'auras plus. Mm-hmm. Ça sera pour Dieu, c'est fini. Maintenant, il dit que tu vas faire quoi? Racheter. Voilà, racheter. Donc, autrement dit, c'est comme quoi? Je change. Voilà. Oui? Tu feras racheter le premier-né de l'homme et tu feras racheter le premier-né d'un animal impur. Voilà. Maintenant, pourquoi le premier-né d'un animal? Puisqu'il a dit toute chair, tout ce qui a chair là, le premier-né, ça m'a parti. N'est-ce pas? Mm-hmm. Maintenant, le seul mot maintenant vient pour expliquer maintenant certaines exceptions. Exception. Voilà. Il dit, puisque l'homme, si tu donnes, directement, c'est une voix, ça devient mon enfant, ce n'est plus ton enfant. Vous savez que ça même n'était plus l'enfant de Satan. Dès qu'il a fini sa vie, ça c'est Dieu. C'est le nom de Dieu. Dieu donné. Amen. Hein? Donc, ne pas que ça soit Dieu donné. Hein? Il faut racheter. Amen. Et c'est comme si spirituellement tu l'as consacré à Dieu, tout ça. Maintenant, il dit aussi des animaux quoi? Impurs. Pourquoi les animaux impurs? Parce que tu ne peux pas venir donner comme offrande à l'Éternel, l'animal impur, ça va souiller pour ça. Et puis toi, ça va te tuer. Amen. Allez. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Racheter ça. Tu vas racheter encore. Parce qu'il a déjà dit que tout ce qui est prévu lui appartient. Qui comprend maintenant? Amen. Tout le monde comprend ça? Amen. Allons-y. Tu le feras racheter dès l'âge d'un mois. Oui. D'après ton estimation, au prix de 5 cycles d'argent. Oui. Selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guéras. Oui. Mais tu ne feras point racheter le premier-né du bœuf. Maintenant il dit, mais tu ne feras point racheter le premier-né du bœuf. Ni le premier-né de la brebis. Ni le premier-né de la brebis. Ni le premier-né de la chèvre. Ni le premier-né de la chèvre. Pourquoi? Avant de continuer. Pourquoi? C'est... Hein? Qui peut expliquer? Vas-y. Bon, pour moi, parce qu'ils sont purs. Parce qu'ils sont purs. Maintenant, pourquoi ils sont purs? Il faut expliquer ça aussi. Mm-hmm. Parce que comment tu peux dire qu'ils sont purs? C'est vrai que Dieu va dire c'est saint, mais il faut comprendre ce que ça pour elle a dit c'est saint. Allons-y, regardez. Écoute. Ce sont des choses saintes. Ce sont des choses saintes. Donc, est-ce que bœuf est saint, bélier est saint, et puis chèvre, cabri, c'est saint? Et pour la question, c'est saint. Non. Maintenant, il va vous expliquer pourquoi elle a dit ce sont des choses saintes. Puis, tu répandras leur sang sur l'autel et tu brûleras leur graisse. Parce que le sang, puisque c'est. On va prendre un sacrifice d'expiation. On va faire sacrifice de culpabilité. N'est-ce pas? Amen. C'est pas ça, on va prendre le sang. Maintenant, dès que c'est consacré à l'Éternel, c'est-à-dire que c'est réservé pour aller être sacrifié, ça devient comment? Ça devient saint. Amen. Et vous savez que tout était sanctifié avec le sang. Donc, c'est à cause de ça que Dieu a dit que l'animal, sinon tous les cabris, tous les bœufs et tous les moutons qui étaient là-bas n'étaient pas saints. C'était seulement ce qui était préparé pour Dieu. Réservé pour Dieu, ça qui était saint. Qui comprend? Amen. C'est bon? Je suis. Allons-y. Tu répandras le sang sur l'autel et tu brûleras la graisse. Ce sera un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Voilà. Regardez, lisez ça dans notre version. La partie. C'est le verset combien? Le verset 17. Le verset 17. Oui, allons-y rapidement, suivez. Mais tu n'accepteras pas qu'on rachète les premiers-nés de la vache, de la brebis et de la chèvre. Oui. Ils sont sacrés. Ils sont sacrés, oui. Tu répandras leur sang sur l'autel et tu brûleras les parties grasses. Oui. C'est un sacrifice consumé par le feu. Maintenant, il dit, c'est un sacrifice consumé par le feu dont l'odeur apaise l'Éternel. Dont l'odeur apaise l'Éternel. Ouais, non. Donc, ce que le Seigneur prend,
ce qu'il appelle la fumée qui monte. Amen. Amen. Quand le feu tombe, c'est la fumée qui va monter. Ce que Dieu peint, ce n'est pas la chair de l'animal. Vous savez, lui, il avait dit, est-ce que lui, il mange ça? Mais les dispositions dans lesquelles tu es venu donner là. Amen. Le, l'aspect spirituel qui est dedans, le, la, la bonne œuvre que tu as accomplie, c'est ça qui monte. C'est ça qui monte par élévation. C'est ça qui est l'odeur. L'odeur. Quand tu as donné ça, par exemple, tu allais jouer, je ne sais pas, mais tu allais faire des affaires, tout ça. Ce qui reste là, c'est des monnaies, des pièces que tu viens donner. C'est, tu n'as pas valorisé Dieu. Il faut que je vous explique. Mais si c'est monnaie de pièces que tu avais, c'est ton tout contre la femme. Lui, il est esprit. Donc, il connaît tout ce que tu as vécu. Il connaît ça. Amen. La pièce que tu as donnée, c'était quelque chose vraiment que tu as préparé. C'est ce que tu avais, tu as gardé. Dieu considère également cela. Parce que c'est ce que tu avais de tout. C'est ce que tu avais de chair. Et tu as vu ta condition de vie. Il sait que tu n'es pas quelqu'un qui est. Tu es quelqu'un de, tu n'es pas quelqu'un de riche. C'est ce que tu as. Donc, il a vu. Le, l'aspect spirituel de ton geste là, c'est ça qui est la fumée, c'est ça qui monte. Sinon, la pièce elle va rester. Tu vas pouvoir l'utiliser. Et c'est du bonbon. Donc, il ne faut pas regarder. Non, tu as donné maintenant, tu ouvres tes yeux pour savoir qui, comment on va utiliser ça. Où c'est non, non. C'est plus ton problème. C'est vous, monsieur. Amen. On est ensemble. Amen. Ok, allons-y. Verset 18. Oui. Leur chair sera pour toi. Tu vois, la fumée monte. C'est pas ça. Mais la chair reste. Donc la fumée et le parfum montent. Mais la chair reste. Donc c'est comme ça. Quand tu vas réellement apporter telle chose, je ne sais pas, un matériel, un piano pour l'œuvre de Dieu. C'est vrai qu'on n'est pas encore rentré dans la nouvelle alliance, tout ça. Mais on est, c'est la même chose. Quand tu vas apporter par exemple un piano dans la maison de Dieu, c'est-à-dire qu'à l'église, comme offrande à l'Éternel. Mm-hmm. Par contre, tu peux donner, tu peux faire un don à quelqu'un, tu peux faire un don au pasteur, tu peux faire un don à ton frère. Amen. Je vais vous expliquer le principe. Il y a ce qu'on donne à César, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on donne à l'homme en tant que don par amour du prochain, et il y a ce qu'on donne à Dieu, ce qui lui est réservé. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Parce que là-bas, c'est un esprit d'adoration. Quand tu donnes à ton prochain, c'est un esprit d'adoration. Non. C'est l'amour du prochain. Mm-hmm. De l'autre côté, d'un esprit d'adoration. Est-ce que vous comprenez l'alliance? Oui. Quand Jésus est né, les mâles sont venus voir. L'adorer. Ils sont venus l'adorer. Et comme ils sont venus l'adorer, ils connaissent ses principes. Ils ne sont pas venus vite. Ils sont venus pour adorer Dieu. Donc ils sont venus avec l'encens. Ils sont venus avec de l'or. Ils sont venus avec d'autres choses. Ils sont venus pour apporter. Quand ils sont prosternés d'abord. Donner les offrandes, je sais pas, les offrandes de prière, tout ça. Et ils sont venus aussi apporter l'autre aspect de l'offrande qui fait partie de l'adoration. Monsieur, ça fait partie de l'adoration. Ils sont venus également, leur bien, comme on avait dit, l'offrande des bébés sont venus, ils ont apporté. Donc ici, c'est l'aspect de l'adoration, c'est pas un service qu'on rend. Qui, monsieur? Amen. Voilà. Tu peux rendre un service à ton frère, tu peux faire un don par amour pour ton prochain. Mais pour Dieu là, c'est dans l'esprit d'adoration. C'est pour ça que ça monte par élévation. Qui me suit? Mm-hmm. Voilà. C'est ça qui va faire que quand tu apportes, de la manière que tu donnes réellement à ton prochain, on n'a pas dit de donner avec tes involtures à son prochain. Il faut donner réellement ce qui te coûte, tout ça, ce que tu aimes, ce que tu veux que Jésus m'a parlé dans le prophète, ce que tu veux qu'on te fasse. Faut faire cela aussi, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Non, tu ne veux pas qu'on te fasse, il faut pas faire cela. C'est ça que Jésus a dit non. Voilà. Donc ça veut dire que si tu prends quelque chose qui est déchiré, un naillon pour vous donner à quelqu'un, ça veut dire que c'est ça que tu mérites. Mais d'accord aussi. Voilà. Donc ça c'est par rapport au prochain. Maintenant, il y a ce qu'on apporte à Dieu. Ce qu'on donne comme offrande à Dieu. Ça, c'est dans un esprit d'adoration. Et ça n'a pas fait des anciennes alliances, nouvelle alliance dedans. Puisque, est-ce qu'on continue d'adorer Dieu aujourd'hui? Oui. C'est pour cela que l'offrande va toujours continuer. Vous avez remarqué que les gens n'aiment pas. Les gens d'aujourd'hui, ceux qui pensent qu'ils connaissent la parole de Dieu, ils n'utilisent pas beaucoup l'expression offrande.
Et il pense qu'il connaît la parole de Dieu. Eux, il veut être plus spirituel. Il se dit qu'il parle de don. Que je vais apporter un don, mais je vais apporter une libéralité. Mais il a peur de dire, je vais apporter une offrande. Écoutez-moi, moi je suis en train de. Vous n'avez pas remarqué ça? Voilà, j'ai un don. En réalité, il ne sait pas que. Même, c'est la même chose. Ton don là, si tu fais ça à, comment on appelle ça, au frère Sidibé, ça c'est un don que tu peux faire. Mais une fois que ça s'en va chez Dieu là, c'est quoi? Une offrande. Et même quand tu parles en dictionnaire, on te marque la différence. Il y a le don que tu donnes à ton prochain, et dès qu'il y a un don que tu donnes réellement à Dieu là, on appelle ça offrande. Tu veux ou tu ne veux pas? Puis ça doit monter par élévation. N'est-ce pas? C'est une offrande. Amen. Donc, vous allez voir que quitter dans les petites décisions, les dons du Seigneur pour rien, hein? N'est-ce pas? Tout c'est pour rien. Donc, allons-y. La chair sera pour toi, comme la poitrine qu'on agite de côté et d'autre, et comme l'épaule droite. Oui, écoutez. Je te donne à toi, à tes fils et à tes filles avec toi, par une loi perpétuelle, toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. Vous comprenez que on a, ce que j'avais dit, non, que les prémices sont une forme de quoi? D'offrande. Voilà, c'est un type d'offrande. C'est pour ça que tout à l'heure, il parlait des prémices, mais il a dit que tout ça, là, ce sont des offrandes. Est-ce qu'on suit maintenant? Est-ce qu'on suit bien? Allons-y, continuons. C'est une alliance inviolable et à perpétuité devant l'Éternel, pour toi et pour ta postérité avec toi. Oui, allons-y. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays. Non, en conséquence, tu ne posséderas rien dans leur pays, puisque tu es issu de la famille de Lévi, et c'est moi qui suis ton héritage. Allons-y. Et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. Oui. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Voilà. Vous allez voir ce même principe-là. Quand Jésus va marcher avec ses apôtres, il va faire ça aussi. Allons-y, soyons. Tant que vous n'avez pas compris ça, quand vous allez voir les mouvements de Jésus et des apôtres, vous allez penser que c'est quelque chose de nouveau. Or, ils ont pris l'esprit de ce qui était là-bas là, pour ramener ça. Puisque vous avez dit que le prophète Malachie est venu annoncer le messager de l'Alliance, mais le messager de l'Alliance venait pour réformer, puisque les voies de Dieu étaient dégradées. Donc, celui qui va venir pour réformer cela. Pour ça, Jésus, là, il ne va pas venir pour tout garder. Il va venir pour accomplir. Il va venir pour donner un sens véritable. Que vous ayez la lumière de ce qui avait été dit. Allons-y. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël. Donc maintenant, on parle maintenant des Lévites. Puisqu'on avait dit qu'il y avait les sacrificateurs et puis il y avait les Lévites. Maintenant, il parle maintenant des Lévites. Il dit, oui. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Oui. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation. Donc, vous voyez, qui donne la dîme aux Lévites? Les enfants d'Israël. Lisez. C'est le Seigneur, c'est l'Éternel qui donne la vie. Oui. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. C'est pourquoi il y a débat sur dîme aussi. C'est parce que les gens répondent comme, les gens pensent comme ce que vous avez répondu. Il a demandé qui donne la dîme aux Lévi. Vous avez dit quoi? À la fin de ça. Maintenant, ici, on dit quoi? À Dieu qui donne. Comment c'est Dieu qui donne? Maintenant, vous posez la question. Par les enfants d'Israël. Comment c'est Dieu qui donne? Moi, je veux dire en fait que le peuple va donner la dîme à l'Éternel. Le peuple va donner la dîme à l'Éternel. L'Éternel va donner cela maintenant. Sans conseil aussi. Est-ce que tu as compris ce qu'il a dit? Amen. Répète. Et puis, le peuple donne la dîme à l'Éternel. Mm-hmm. Maintenant, quand il donne à l'Éternel, ça monte. Non, c'est la vapeur qui monte, sinon la dîme. Alléluia. Amen. C'est bon, la fumée. C'est-à-dire que c'est ça que je vous ai dit, la disposition. Amen. Amen. L'aspect spirituel. Parce que là qu'on pose l'aspect spirituel d'abord, l'aspect spirituel tout monte, il dit que tes dispositions sont bonnes, comme un parfum de bonne. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, c'est, ça va rester. De l'autre côté, quoi? Matériel. Tes matériels va rester. Maintenant, Dieu dit, puisque c'est sur mon autel que ça a été sacrifié, moi je te donne ça. Je te donne la permission que c'est toi maintenant, je dois te donner.
C'est pour cela que dès que tu vois tout ce qui parle de dîme, tu dis que c'est les Lévites qui prélevaient la dîme. Donc on donne la dîme aux Lévites, on n'a jamais donné la dîme aux Lévites. Tu vois, c'est bon, elle dit ça. Non. Donc, ce n'était pas la dîme qu'on ne donnait pas, la dîme aux Lévites, on donnait la dîme à Dieu. Et c'est Dieu maintenant, lui, pour nous donner cela aux Lévites. Donc, vous allez voir ces gens qui voient là, les gens, quand ils vont parler, mais dans l'intuition, vous allez voir ces gens qui voient. Parce que chez eux, ils sont bloqués. Donc, ils commencent à passer par la langue. Même si tu veux dire, tu veux expliquer les choses bien dans la nouvelle langue, que les gens puissent comprendre, il ne faut pas faire mentir la vie. Il faut dire bien. Quand on va finir de traiter tout cela, vous allez comprendre maintenant dans quel esprit vous devez donner tout ça. Mais c'est important de comprendre ces choses. Amen. Il ne faut pas que les gens puissent vraiment vous séduire. Oui. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation. Oui. De peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Oui. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation, oui. Ils resteront chargés de leurs iniquités. Oui. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Donc, ils n'auront point comme les fils d'Aaron, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Amen. Vous allez comprendre, quand vous allez, on va arriver dans la nouvelle alliance, Jésus va utiliser cette expression-là que, comme on appelle la Bible, va utiliser cette expression qui dit que le Seigneur a dit que ceux qui vivent de l'évangile, ceux qui prêchent, qui annoncent l'évangile, vivent de l'évangile. Vous allez comprendre là. Pourquoi il a dit ça? Il n'a pas dit ça parce que c'est une nouvelle doctrine qui vient, il veut. Ah non, c'est en fonction de l'esprit de ce qu'on appelle l'initié. Vous allez voir. Vous comprenez maintenant? Mais c'est vrai qu'il était serviteur de Dieu à cette époque. Amen. Amen. Vous allez vous consacrer à mon service. Donc si vous êtes entièrement consacré à mon service, vous ne serez pas en train de vaquer aux choses d'activités séculières. Donc, à partir de cet instant, vous n'avez pas d'héritage au dehors. Donc, c'est vraiment aussi votre héritage. Maintenant, de manière pratique, c'est votre héritage comment? En fonction de ce qu'on vous donne, moi je prends et puis je vous donne. C'est simple. Allons-y. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. Vous comprenez non? Maintenant, lis dans cette version. C'est le verset qu'on est. Allons-y la présentation. Verset 24. Verset 24. Car je leur donne pour possession la dîme que les Israélites prélèveront pour l'Éternel. Vous comprenez non? Voilà. Allons-y. C'est pourquoi je dis à leur égard. Regardez cette expression. Lis ça. Lis là-ci. Lève-toi. Lis avec pourquoi. C'est pourquoi je leur ai dit qu'ils n'auront pas de patrimoine foncier parmi les Israélites. Verset 24. Car je leur donne pour possession la dîme que les Israélites prélèveront pour l'Éternel. Ouais, non. On dit les Israélites prélèvent. Je termine depuis la maison. Qui prélèvent quoi? La dîme pour l'Éternel. Maintenant, quand vous allez lire dans Hébreux, chapitre 7, quand vous ne faites pas attention, parce que beaucoup vont prendre Hébreux, chapitre 7, vous dites quoi? Que dans Hébreux, chapitre 7, Lévites qui prélevait la dîme sur ses frères. Donc, à partir de là, comme c'est Lévite qui prélève la dîme sur ses frères, ça veut dire que, en réalité, si c'est Lévite, c'est rend supérieur de ses frères. Donc, tout ce qui se joue les Lévites aujourd'hui, c'est vrai qu'en fait, ils n'ont pas compris l'esprit. L'esprit, c'était que, en réalité, c'est ce qu'on vient de voir. Toute dîme, là, ça appartient à qui? Ça appartient à l'Éternel. Ça appartient à l'Éternel d'abord. C'est à l'Éternel maintenant dans la retransmission. C'est-à-dire le fait de redonner dans la répartition, en fait, la répartition va maintenant apporter cela comme droit d'onction. Droit d'onction, ça veut dire que salaire en réalité, récompense en réalité. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, prélever là. Vous voyez que il dit qu'il parle de prélever la dîme. Qui prélevait d'abord? C'est eux-mêmes qui prélèvent pour l'apporter à Dieu. Mais c'est pas que comme facture de celui, quand tu n'as pas payé, le Lévite vient, il tape à ta porte. C'est mon droit. C'est pour moi. C'est comme ça? Non. Ça aussi, malheureusement, il y a des églises où les gens se comportent comme ça. À la fin du mois, on t'appelle. On ne fait pas ça. Parce que Dieu, même depuis l'Ancien Testament, par exemple, non, que dans l'Ancien Testament, c'est que vous avez déjà vu dans l'Ancien Testament, Lévite allait vous dire que, facture de dîme. Vous avez déjà vu? Donc on est obligé dans la loi, il n'a pas obligé quelqu'un. Il a donné seulement ses instructions pour faire fonctionner le peuple. Maintenant, chacun maintenant doit
puisque je vous ai dit que les offrandes, il y avait plusieurs aspects. L'aspect don, l'aspect sacrificiel et l'aspect devoir. En tant que devoir, pour que ça puisse faire fonctionner le peuple, par exemple, vous avez dans certaines assemblées, ou bien dans presque toutes les assemblées, ce qu'on appelle, il y a certaines cotisations mensuelles, des visites que vous faites, pour que s'il y a telle chose à faire, c'est pour faire fonctionner en fait. Voilà, ça peut fonctionner le groupe ou bien l'entreprise ou bien la chose. Tout ce qu'il y a, il faut qu'il y ait au moins un budget pour faire fonctionner la chose. Donc, plus c'était une nation, et ça, vous suivez là. Bien souvent, il y a certaines familles qui ont fait des cotisations. Voilà. En cas d'égard. Dieu l'avait fait avec la nation d'Israël. Il avait également. Parce qu'il faut qu'il existe ça aussi. Pourquoi il en faisait la tribu? Pourquoi on apportait la dîme comme. Je vais dire. Comme taxe. Je vais dire l'aspect de taxe. On va revenir sur ça. Prenons. Néhémie chapitre 12, verset 44. Et puis Néhémie chapitre 13. Vous suivez? Vous avez dit quand vous venez avec vos cahiers, vos bibliothèques, vous allez parler de Dieu, tout ça. Je vais donner des passages. Néhémie 12, 44. Oui, qu'est-ce que ça dit? Puisque là, Israël est devenu une nation, Israël est devenu un peuple. Donc, la dîme va devenir dans un esprit, va aller maintenant dans un esprit de rédévance. Ça sera une obligation spirituelle institutionnalisée par le Seigneur. Amen. Voilà. Mais il a fait pour un but. Il n'a pas fait comme ça parce qu'il veut les dépouiller. Non. Est-ce que lui, il a besoin de ça? Répondez-moi. Voilà. Voilà. Ça peut lui-même faire pour que ça puisse, eux, puisse fonctionner bien. Allons-y. Néhémie 12, 44. En ce jour, oui. On établit les hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasins pour les offrandes, les prémices et les dîmes. Oui, parce que quand, comment il s'appelle, Néhémie est venu, Néhémie c'était un rébâtir, il devait un réformateur, il devait rébâtir aussi, rébâtir le temple, mais il fallait rébâtir aussi ce qui faisait fonctionner le temple. Mm-hmm. Et quand il rébâtit le temple, pour faire, c'est-à-dire que tout ce qu'on a mis comme principe, tout ça, il faut mettre ça pour que le temps que tu vas rébâtir, ça puisse fonctionner. Mm-hmm. Si tu dois les sacrificateurs, tu dois les servir, il faut que ce qui faisait vivre les sacrificateurs, tout ça doit être bien fait. Et ça, si vous me comprenez. Amen. Voilà. Donc, il dit quoi? Il dit, en ce jour, on établit des hommes, oui, ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasin pour les offrandes, mm-hmm, les prémices et les dîmes. Voilà. Donc, en ce moment-là, on parle des magasins parce que les gens n'apportaient pas toutes les dîmes. C'est-à-dire que la plupart des dîmes étaient dans les affaires de récolte. Et puis, voilà, les récoltes et puis les animaux, tout ça. Voilà, c'était une petite partie seulement que les gens, quand à cause de certaines conditions, sont obligés de changer ça en argent, tout ça. Est-ce que vous me suivez? Amen. Voilà. Maintenant, il y avait la chambre. C'est ça que Malachi va appeler quoi? La maison du trésor. Parce que la maison du trésor, là, il faut bien comprendre aussi ça aussi, parce que ça peut vous poser comme question. Ah, la maison du trésor, on vous dit d'apporter la dîme à la maison du trésor. Mais votre maison du trésor, là-même, c'est où? Donc, quand on veut comprendre la maison du trésor, c'est simple. La maison du trésor, c'est où on gardait. C'est un principe, et puis c'est un principe que Dieu m'a appris depuis Exode chapitre 1, verset 11. Il faut lire tchatchawa. Exode chapitre 1, verset 11. Vous allez voir. Vous voyez là, on doit fonctionner comme nation. C'est comme toute nation. Il y a un budget, non? Il y a un budget national, donc quand on veut faire des projets, on va par rapport à ça, puis on partage, on va s'organiser, et puis on fait fonctionner. Il n'y a pas quelque chose qui va fonctionner sur une longue période sans ces choses-là. Ça ne peut pas. Vous allez comprendre. Oui. Exode 1, verset 11. Verset 1. Oui. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, oui, afin de l'accabler de carreaux pénibles. Oui. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Pour servir de quoi? De magasin à Pharaon. Et vous savez que Joseph aussi avait fait ça. Mm-hmm. Quand il y avait la famine, oui, il fallait garder, on devait garder le blé. Le quoi? Le blé. Le blé quelque part. C'est vous, monsieur. Mm-hmm. On devait garder le blé quelque part. Dieu aussi a dû fonctionner avec une nation. Quand on va dire qu'on va faire par exemple les fêtes du tabernacle, quand on va dire qu'on va faire les fêtes qu'on appelle des prémices, quand on va dire qu'on va. Apporter, on va faire la fête une grande fête nationale. Pour un exemple, où on va faire sortir l'argent? C'était maintenant dans la maison du trésor. Si vous me suivez. Amen. Quand on va dire qu'on va aller, on devait apporter
chaque 3 ans, on devait apporter des dîmes, on devait apporter des dons, des dîmes, or, du moins, on devait apporter des offrandes, des dîmes, tout ça, on devait apporter cela aussi aux veuves. On devait ça chaque 3 ans. Ouais, non. Mais ça, on va prendre ça. Toujours encore là-bas, dans la maison du trésor. Donc, c'est le magasin, l'entrepôt qu'on gardait. Vous suivez? Amen. C'est l'entrepôt qu'on gardait. Maintenant, prenons toujours Néhémie chapitre 13, verset 12 à 13. C'est pour comprendre ici ce qu'on appelait la maison du trésor. Amen. La maison du trésor. Oui, allons-y. Néhémie chapitre 13, verset 12 à 13. Alors, tout Judas apporta dans la maison de la dîme du blé. Alors, tout Judas apporta dans les magasins la dîme du blé. Oui, non, pas les magasins. C'est ça qui est un tripot. C'est ça qui est la maison du trésor. Amen. Oui. La dîme du blé, du mou et de l'huile. Je confiais la surveillance des magasins. Maintenant, si on vous pose la question, pourquoi on en fait un magasin? Je vous pose la question simplement. En fait, vous lisez la Bible à l'intelligence. Pourquoi c'est un magasin en tripot? Il vient de dire ça. C'est les vivres. Parce que ce sont les vivres que les gens apportent. Pour un cibé. Ce sont les vivres que les gens apportent. Il faut qu'il y ait un tripot pour garder ça là-bas. Non, ah, on donnait. Je vous vois la maison du trésor, c'est où ça? Voilà, voilà. Les gens ne comprennent pas. Pas pour parler. Oui, allons-y. Je confiais la surveillance des magasins à Shelania, le sacrificateur à Sadoc, le scribe, et à Pédaja, l'un des Lévites. Et je leur adjoignis Anan, fils de Sakour, fils de Matania, car il avait la réputation d'être fidèle. Il fut chargé de faire la distribution à leurs frères. Amen. Amen. Vous comprenez maintenant? Voilà. Donc voilà comment les choses, les Lévites s'occupaient de la... On appelle ça même. Ils recevaient de la part de Dieu la dîme que les enfants d'Israël puissent apporter à l'Éternel. Amen. Amen. Vous avez qui recevait cela. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Donc continuons toujours notre texte qu'on disait dans... Bon, on va comprendre quelque chose. Donc 10:24. Donc chapitre 18, donc verset 24. Donc chapitre 18, verset 24, prenez la Bible. Donc chapitre 18, verset 24. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. Oui. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites. Et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en préleverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Vous comprenez ça? Est-ce que vous suivez? Puisque on avait dit qu'il y avait les Lévites et avec qui? Les sacrificateurs. Qui s'occupait, qui partait réellement, qui récupérait les dîmes? Ce sont les Lévites. Ce sont les Lévites. Quand ils récupèrent les dîmes, là, Dieu dit que c'est pour eux. Avant de toucher à ça, ils devaient quoi? Ils devaient enlever la dîme de toutes les dîmes qu'ils reçoivent réellement pour qui? Les sacrificateurs. Pas pour les sacrificateurs. Pour le souverain sacrificateur. Pas pour le souverain. C'est vrai, c'est pour lui, c'est juste, mais c'est pour qui? Pour l'Éternel. Voilà. Chacun doit donner à l'Éternel. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui va recevoir. C'est ça le problème. Et c'est ça qui énerve ceux qui sont avares. Si vous les suivez. Voilà. Donc on peut dire dans notre situation, c'est des pasteurs. Prenez un exemple, des serviteurs de Dieu. Et donc, est-ce qu'ils sont épargnés de ça aussi? On dit non, quand on t'apporte là, pour savoir que toi aussi, tu dois donner parce que tu es un adorateur. Mm-hmm. Amen. Tu es un adorateur. Tu dois donner. Tu dois enlever également la part de l'Éternel. Que tu as reçu. Et puis la part de l'Éternel, tu ne vas pas jeter au ciel. Par exemple, tu es pasteur. Tu as trouvé un grand frère pasteur. Amen. Un papa pasteur. En quoi tu peux? Ou le donner. Qui me suit? Amen. Si j'ai pris des. Qu'on appelle ça même. J'ai pris des. J'ai pris des exemples comme ça pour que vous puissiez comprendre. Voilà. J'ai fait des parallèles pour que je comprenne. Donc, allons-y. On n'a pas encore touché bien nos aspects, mais c'est sûr, les parallèles sont. Allons-y. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air
et comme le moût qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous préleverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël. Et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Est-ce que vous comprenez le principe? C'est ce qu'on a dit. On prélève toujours l'offrande pour l'Éternel. Amen. Amen. Voilà. C'est pas, c'est pas un don que tu. C'est vrai que tu as donné à Aaron, mais tu lui as donné comme une offrande à l'Éternel. Voilà. C'est pour ça que quand l'apôtre Paul avait reçu le don des Philippiens, il dit, je reçois cela, ce don-là, je le reçois comme une offrande. Donc quand ils vont recevoir, ils vont aller donner cela à Aaron, qui était leur supérieur dans le sacerdoce, qui était leur supérieur dans le ministère, quand ils vont leur donner cela. Ils donnent cela en offrant à l'Éternel. Mais c'est Aaron qui reçoit. Puis Aaron donne la bénédiction. Vous suivez? C'est comme ça fonctionne. Allons-y. Surtout les dons. Maintenant, écoutez ce qu'il va dire. Il y a quelque chose encore qui va revenir. C'est ça qui nous intéresse. Allons-y. Surtout les dons qui vous seront faits, vous préleverez toutes les offrandes pour l'Éternel. Il dit, surtout les dons qui vous seront faits, vous préleverez toutes les offrandes pour l'Éternel. Vous préleverez toutes les offrandes pour l'Éternel, oui. Surtout ce qu'il y aura de meilleur. Maintenant, il dit quoi? Surtout ce qu'il y aura de meilleur, vous préleverez la portion consacrée. Est-ce que vous comprenez maintenant? Qui est en train de dire ici là? Prenez ça. Prenez avec ses meufs, vous allez voir. Prenez avec ses meufs, il est parti. Écoutez bien, très bien. Verset 28. Verset 28. C'est ainsi que vous préleverez, vous aussi, l'offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des Israélites. Oui. Et vous la donnerez au prêtre Aaron comme une offrande à l'Éternel. Ouais, vous la donnerez au prêtre Aaron comme une offrande à l'Éternel. Amen. Maintenant, oui. Sur tous les dons que vous recevrez. Sur tous les dons que vous recevrez. Vous préleverez une offrande pour l'Éternel. Oui. Vous préleverez la meilleure part comme part la plus sainte. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que ce que l'Éternel appelle la meilleure part, parce qu'il avait utilisé l'expression quoi? La dîme. Il avait utilisé. Ça dit que l'offrande à l'Éternel. Maintenant, comme c'est à moi que ça appartient, ça devient quoi? La plus sainte. Ça devient la plus sainte, mais il a utilisé quelle expression? La meilleure part. La meilleure part. Est-ce que vous me suivez? Ça dit que vous recevez, vous n'utilisez pas ça d'abord. Vous n'utilisez pas ça d'abord. Vous enlevez ma part. Maintenant, moi, ma part est appelée quoi? La meilleure part. Parce que je suis digne d'honneur. Est-ce que vous suivez? Vous voyez comment Dieu est en train de marquer les choses. Si vous ne voyez pas, ne faites pas attention à ça. C'est là que, par exemple, quand vous allez par exemple apporter, vous allez toujours donner des restes à Dieu. Ayez pour principe, dit que quand j'ai quelque chose, c'est Dieu d'abord. Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Mais quelle est la part de Dieu? Ça, ici, là, c'est un esprit d'adoration. Ça n'a rien à voir avec les discussions de non, nouvelle alliance. Il faut être un adorateur. Il faut être un adorateur. Il dit, dans ce que vous allez recevoir, ce qui me revient, c'est la meilleure part. Alors que ce n'est que c'était que 10%. Mais Dieu appelle ça quoi? La meilleure part. Parce que c'est à lui que ça revient. Il dit que la chose, là, c'est ce qui est sain. Normalement, tout ce que les enfants de Seigneur ont apporté est sain. Mais comme c'est ça encore que vous allez prendre pour les donner, le reste c'est pour vous, mais vous allez utiliser ça. N'est-ce pas? Mais ce que vous allez prendre pour donner à Aaron, vous allez donner à Aaron comme une offrande à l'Éternel, c'est la meilleure part. Regardez comment Dieu parle. Vous savez que c'est un esprit. C'est l'honneur. Tu vois même le protocole, tu vois les manières de Dieu. Tu vois qu'on ne fait pas son œuvre comme ça, dans le hasard. Dans le hasard. Oui? Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur. Regardez, quand vous en aurez prélevé, c'est-à-dire que la dîme dit non. C'est-à-dire que la dîme c'est parti. Mais il dit que quand vous en aurez prélevé quoi? Le meilleur. Pourquoi c'est le meilleur? Parce que c'est à l'Éternel.
C'est une manière de dire que ce que tu donnes, comme vous avez la question, ce que tu donnes là, c'est ce qui est meilleur pour valoriser, pour glorifier Dieu, et pas ce qui est bizarre. C'est ça que Malachie est venu dire. Bon, toi tu as 200 000. Tu prends l'exemple, on parle, j'ai pris l'exemple d'argent. Tu as 200 000. Ou bien tu as 200 taureaux. Tu as 200 taureaux, mais 200 vaches. Dans 200 vaches, la dîme des 200 vaches, c'est quoi? C'est quoi? Dieu dit que les vins, là, c'est la meilleure part. On se tente à quoi? Il dit que les... Puisque la dîme, c'est là que ça a... C'est, la dîme n'a qu'une seule définition. La dîme, c'est comme je l'ai dit. La dîme, c'est bien, la dixième partie. Voilà. La dixième partie. La dîme signifiait la dixième partie. Maintenant, il dit ça. Puisque c'était consacré. Amen. Puisque c'était consacré pour moi, alors c'est la meilleure part. Amen. Amen. Voilà. C'est la même chose. Donc tout ce que l'on va recevoir, il doit prendre la meilleure part pour apporter la part de Dieu. Oui. Quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve. Oui. Vous la mangerez en un lieu quelconque. Vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Ok. Qui paye les Lévites? Tu fais du quoi? Paye salaire, ça veut dire quoi? Les gens payent le cerveau, Dieu. Salaire, qui a utilisé salaire? Dieu. Jésus n'a pas utilisé salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Salaire. Maintenant, qui paye? Dieu. Dieu. C'est ça le problème. Ils sont sans service. Voilà. Mais les gens pensent que. Il y a les pasteurs qui pensent que réellement c'est le peuple qu'on dit qui doit les payer. C'est pour cela qu'ils sont obligés de changer leur message. Ils sont obligés de faire quoi? De prêcher pour que. Ah, si elle te dit, si elle te prêche des choses que tu n'aimes pas, tu vas faire quoi? Tu vas garder ton argent comme j'ai peur. Donc, si tu vois qu'il y a un douanier qui est là, peut-être qu'il vit mal, qui a deuxième femme, au lieu de prêcher que. Ah, Dieu a dit d'être fidèle à sa femme. Si je vais toucher ça plusieurs fois, il va le garder. Peut-être qu'il va partir. Ou bien il est là, mais il ne te donne rien. Donc c'est lui qui le paye. C'est le pasteur là. C'est le douanier qui le paye. Donc il est diable, il est diable. C'est pour ça que c'est important. C'est quoi ici là? C'est trop important. Quand tu sais ça, tu sais qui te rémunère. Tu sais qui te rémunère. Tous serviteurs doivent savoir ça. Amen. Amen. C'est pour ça que tu ne seras pas influencé par rapport à quoi que ce soit. Parce que celui qui va te donner ton salaire, c'est Dieu. Amen. Amen. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ça. Maintenant, comment? Ça, c'est comment? Maintenant, Dieu paye. Quand Dieu rémunère, quand Dieu donne le salaire à ses serviteurs. Je vous pose la question. Dans la pratique. Donc, en fonction de ce qu'on a fait, vous la mangerez en un lieu quelconque. Oui. Vous et votre maison. Oui. Car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Vous comprenez? Donc, c'est ce qu'on va apporter, comme il y a tout dit, ce qu'on va apporter en offrande à l'Éternel, ce qui revient à l'Éternel là. C'est ça que maintenant, l'Éternel maintenant va donner cela comme salaire aux autres. C'est-à-dire que à ses serviteurs qui sont venus me servir. Amen. Vous comprenez ça? Voilà. C'est l'Éternel lui-même. Donc, cela veut dire quoi? Si maintenant le peuple là, l'église là, le peuple mais la nation, le peuple mais l'église ne donne pas, la conséquence c'est quoi? Quoi? Puisque on dit, comment Dieu donne le salaire à ses ouvriers? À les offrandes que le peuple fait en gagnant. Est-ce que vous comprenez? Ou bien c'est pas donne, mais pourquoi on ne pourra pas poser la question? Comment est-ce que Dieu donne le salaire? Donc, pardon, la question c'est que si maintenant on a compris que ah, c'est Dieu qui donne maintenant le salaire, est-ce que Dieu maintenant va faire quoi? Il va donner ça depuis le ciel là-bas? Non. Donc, on a dit que c'est ce que le fidèle va donner, c'est ce que la nation d'Israël donnait là. C'est ça que maintenant Dieu voulait donner aussi à ses serviteurs. Maintenant, du coup, maintenant la question c'est. Si eux ne donnent pas, qu'est-ce qui se passe? Donnez le micro à la soeur. Belle fois que tu le fais. Ça va fonctionner. Toi, il me pose la question. Si j'arrête de donner,
Qu'est-ce que le résultat, c'est quoi? Si le peuple arrête de dormir, Dieu ne sera pas honoré. Et ses serviteurs non plus. Comment? Dieu ne sera pas honoré, ses serviteurs non plus. Non, ici, là, ce n'est pas honoré. Ce n'est pas l'expression honoré seulement. C'est vrai que Dieu ne sera pas honoré, c'est une réalité. Ce que tu as dit, c'est juste. Mais oui, on va donner le coup ici à une personne. Qui veut parler? Une balle de massage. Si le peuple de Dieu ne donne pas, le pasteur aussi n'aura pas de salaire. C'est-à-dire que si la nation de Israël ne donnait pas, ses serviteurs, les lévites aussi, n'allaient pas avoir. Bien qu'on dit que c'est Dieu qui donne le salaire, mais voilà, parce que regardez, quand on commence à parler des besoins, par exemple, de l'œuvre, quand on commence à parler des droits de l'œuvre, regardez que les gens disent quoi? Si c'est Dieu qui l'a appelé, et Dieu lui-même. Dieu lui-même va se occuper de lui tout le temps. Et puis lui, il a toujours sa main dans sa. Il a dit qu'il ferme sa trésorerie. Et il dit que si c'est Dieu lui-même qui l'a appelé là, voilà. Cette œuvre-là, si ça vient de Dieu, Dieu lui-même va s'occuper de ça. Et puis lui, il est là, il mange bien son argent. Ça a fonctionné? Non. Donc comprenez bien, quand les gens sont en train de dire, ah, si c'est réellement cette affaire à sa vie de Dieu, c'est que réellement, voilà, si Dieu lui-même l'a appelé, c'est la plupart des gens qui disent ça. Écoutez-moi, moi, je vous parle de réalité. La plupart des gens qui disent ça, ce sont les avares. Ce sont les avares. Dès qu'on parle, non, si c'est Dieu, si c'est vraiment Dieu, en tout cas, ça va faire. Alors que tu sais que Dieu va pas lancer ça du ciel. Dieu passe par quelqu'un. Qu'est-ce que Dieu a dit quand il y a eu la femme au temps d'Élie? Il dit, j'ai ordonné. Vous avez, est-ce que Élie a dit que, ah Seigneur, comme j'ai fait le ciel maintenant, notre Père, donne-moi, lui me donne le ciel sur le puits, ça vient. Non. Même j'ai dit, j'ai donné au corbeau de te nourrir. Après ça, il dit, j'ai ordonné à la femme là de te nourrir. Bon, maintenant, il va passer forcément par quelqu'un. Donc, c'est ça tourne, c'est le principe. Donc, dès que vous bloquez, ça bloque. Et c'est ça maintenant, au temps des Malachi, là. Ils ont bloqué. Quand ils ont bloqué, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez vu que le résultat, c'est que les autres, la maison du trésor sera comment? Vide. Non seulement, première réponse qu'elle a donnée, Dieu n'est pas honoré. Hein? Et le résultat, c'est que la maison du trésor sera vide. Maintenant, quand la maison du trésor est vide, les serviteurs là, qu'est-ce qui se passe? Ils vont se chercher. Ils font quoi? Ils vont se chercher. Non, ils vont dire la vérité. Hein? C'est ça qui fait que, papa Tango, quand tu vas à l'intérieur du pays, tu vas dans les comtés, tu vas dans les endroits. En tout cas, si quelqu'un n'est pas, on dit, garçon, n'est pas né, il ne reste pas dans les pays. Les églises même traditionnelles qui sont ici, les assemblées de Dieu, tout ça là, quand ils envoient les. Ils ont fait des missions, ils font des autres assemblées de Dieu dans les villages. Dans les fins fonds, ils fuient. Les pasteurs même quittent. C'est les fidèles même qui deviennent vraiment des pasteurs. Ils sont venus faire des lectures bibliques pour maintenir dans la foi pour continuer. Parce que c'est chaud. Vous comprenez? Voilà. Il faut que les choses même ça puisse bien fonctionner. Ça veut dire que par exemple, ceux qui gèrent réellement la maison du trésorier, j'ai cette expression, ceux qui gèrent la trésorerie, par exemple, de l'assemblée, non seulement il faut avoir un cœur pour les ouvriers, pour les encourager. Un ouvrier, on encourage. Mais qui a la même chambre? Qui a la même chambre? Quand on part au champ, qu'est-ce qui se passe? On vous encourage pas. Toi, tu peux manger ton champ à quelqu'un, champ des bananes, au village. Et puis, quand il va te dire que, ah, sans dérive, on a besoin de ça de rien que ah, et puis tu as dit tu donnes pas. Il ne faut pas travailler sur la fin. On les encourage même. Quand tu commences à faire ça, tu prends même ça de rien, mais tu viens, quand tu viens au village, tu prends les ça de rien, les pains, les trucs, tout ça, et puis tu donnes un peu, tu les encourages. Tout ouvrier a bien d'encourager. C'est des choses naturelles. Moi, je vous parle. Ils ont besoin d'encouragement. Donc quand les gens ne donnent plus, ça fait que non seulement la maison du trésor est vide. Et le résultat, c'est que les gens ne sont pas encouragés. Parce que ça commence à chauffer. Ils sont obligés maintenant d'aller au champ. Et la plupart, ils tous, souvent au champ. Ils sont morts maintenant pour aller travailler dans le champ. Qui travaille manuel, tu viens, tout ça là. C'est difficile. Ils sont fatigués. Ils sont obligés maintenant d'aller au champ. Tu vas aller faire le commerce. D'autres, il y a même les gens qui sont fait la chasse. Vous voyez? Voilà. Alors qu'en réalité, s'ils étaient engagés,
lundi, du lundi au dimanche, dans l'évangélisation, dans la prière, dans les choses de Dieu, dans les dimanches, chaque fois. Quel serait le résultat? L'œuvre de Dieu va croire. Et c'est pour ça que Jésus même quand il utilisait les apôtres là, il est tout ce que l'autre état ne fait pas. Lévi est dans le chemin. Lévi était au travail. Lévi était au travail. Les fils de Zébédée étaient comme ça. Il les a dit quoi? Laissez-moi. Pourquoi? On ne peut pas faire deux choses à la fois. Parce que oui, le Seigneur, partout où il allait partir, eux, ils devaient être avec le Seigneur. Souvent, même avant qu'il allait arriver là-bas, c'est eux, il les envoie. Ils précédaient le Seigneur pour aller préparer le terrain, tout. Pourtant, ils sont mariés, peut-être dans la région, donc ils ont oublié de laisser ça parce qu'ils ne pourront pas. Dans la pratique, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas aller à Mankolo jeudi pendant que tu travailles. T'as raison. Tu vas t'es obligé de laisser ton travail, tu dois choisir ton travail et puis évangélisation à Mankolo. On n'a que parler des choses pratiques. Je te peux poser quelque chose parce que. Jeudi, tu travailles dans une entreprise, dans une administration ici au plateau. L'œuvre de Dieu t'appelle pour une semaine. Mankolo. En ce moment, dans le travail de l'administration, tu connais tes temps de congé. Tu as déjà pris tes temps de congé. Ou bien le BG, c'est dans les congés, c'est le nom que tu vas faire. Non. Tu es missionnaire, tu es obligé de partir. Tu as besoin de dans la semaine, tout ça. Tu ne pourras pas demander chaque fois. Arrête, moi ton chef va te renvoyer. C'est le travail, on a besoin de faire le travail, c'est le résultat qu'on attend. C'est ça que l'apôtre Paul a dit à Timothée. Il dit, il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Jésus t'a enrôlé dans son armée, c'est-à-dire que tu es devenu dans son armée. C'est comme un lévite, on t'a pris du milieu du peuple consacré. Donc il dit, après ce qu'on va commencer à donner des conseils à Timothée, il va dire, dans l'œuvre que te confie là, dans les choses de Dieu, l'enseignement, tout ça là, la méditation, ça, donne-toi tout entier. Vous savez ce que ça veut dire? Quand il donne-toi tout entier ici. L'apôtre Paul, en fait, dans son ministère, il avait commencé, en fait, là-bas, il commence maintenant à donner maintenant des conseils de sagesse en matière d'expérience maintenant. Parce qu'il sait que dans la pratique, tu ne peux pas être plus efficace si. Tu es en train de. Tu es en théâtre, tu es chez moi, j'ai dit que voilà, tu es tiré. Ici, travail séculier. Ici, en même temps, comment on appelle ça? Tu dois faire telle chose, après encore l'œuvre de Dieu, après encore le travail, ça sera difficile dans la pratique. Voilà, ça sera difficile dans la pratique. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça maintenant qu'il dit à Timothée que donne-toi tout entier dans lui-même. Quand ça a commencé à chauffer, parce que lui, il faisait les missions apostoliques, l'évangélisation, chaque fois. Comme vous avez vu dans un chapitre 18 là-bas, vous allez voir qu'il est arrivé chez Aquila, c'est plus Priscille. N'est-ce pas? Quand il est arrivé là-bas, Aquila, c'est plus Priscille, il était des faiseurs de tentes. Il construisait des maisons, des tentes, tout ça. Voilà. Ouais, non? Donc, lui, il était habile aussi dans ce métier. Donc, il s'est mis dedans, il a commencé à aussi fabriquer les tentes. Mais vous avez souvent entendu que on dit l'apôtre Paul, le travail de l'apôtre Paul c'était quoi? L'apôtre Paul était faisait des temps. Non. T'as vu, ça vous fait rire. Ça fait rire. Quand tu dis la Bible, ça fait rire. On parle. Quand les gens parlent comme ça fait rire. L'apôtre Paul était faisait des temps. Non. Il n'était pas faisait des temps. C'est un missionnaire, c'est un apôtre. Il était un envoyé, il va lui la vie. Il y a certaines circonstances qui vont faire que. Tu es obligé réellement de faire des choses. Quand les gens sont venus, quand Silas et puis Timothée sont venus maintenant avec les ressources, puisque c'est eux qui l'envoyaient pour aller prendre les bois, les ressources dans les églises qu'il avait fondées. Si vous lisez bien les églises, vous allez voir. C'est pour ça qu'on va revenir sur ça. Quand ils sont en train de mettre les finances, les moyens pour envoyer le corpus. Donc là, maintenant qu'ils sont venus, on dit que l'apôtre Paul maintenant a laissé ça pour se donner tout entier à quoi? À la parole. Mais c'est les circonstances qui ont fait qu'il est obligé de faire des choses. Un missionnaire ne peut pas être en même temps missionnaire, puis en même temps il est en train de faire, il est en train de travailler au plateau. C'est bon. C'est pas possible. Maintenant, quand les gens, ceux que tu es en train de faire, ils sont là, chacun est dans son coin, personne ne tout.
Même si, ça dit que l'apôtre Paul, par exemple, a dit aux Thessaloniciens que, ah, il ne veut pas recevoir. Même il a dit ça aux Corinthiens. Il dit qu'il ne veut pas recevoir même des droits. Mais c'était pour certaines raisons. Et on va lire ça les derniers passages qu'on va lire. À cause de certaines raisons, par exemple, ils sont arrivés. On va arriver là. Je ne sais pas, merci. On va aller plus sur le dessous. D'abord, c'est pour comprendre pourquoi la maison du trésor devait fonctionner. Amen, on est d'accord? Voilà. Et si la maison du trésor ne fonctionne pas, il n'y a pas de tous les ouvriers vont avoir faim. Donc Dieu est obligé de prendre l'affaire, puisque c'est son affaire, il est obligé de prendre l'affaire et il a passé par la bouche de Balachi pour rappeler ces choses, puisque c'est dans ça que vous les déshonorez. Et puis maintenant, il les encourage. C'est pourquoi il va mettre la bénédiction devant. Il a dit qu'en réalité, depuis que vous avez fait ça, que réellement, la maison du trésor est vide, que mes serviteurs ne sont pas encouragés, ils ont faim, tout ça. Regardez le résultat de votre vie, c'est la malédiction. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, regardez le résultat, c'est que la malédiction, tout ça. Maintenant, il les encourage. Il leur dit, relevez-vous. Et puis maintenant, il les met au défi. Revenez dans ce que j'avais dit dans ma loi, ce que vous avez prescrit. Pratiquez ça. Vous allez voir, si mon Dieu, je n'ai pas ouvert les écluses des cieux. Maintenant, d'autres peuvent rentrer dans le débat. Ils disent, non, ah, écluses des cieux là. Ce n'est pas le ciel. Écluses des cieux, ce n'est pas le ciel. Que c'est pas comme les gens étaient. Comment on appelle ça? J'étais des agriculteurs, tout ça. Donc, c'est la pluie, que la pluie puisse tomber. Qui en a entendu ça? Vous n'avez pas entendu ça? Que non, l'église des cieux, quand quelqu'un prie par exemple, il dit que non, ah, que les églises des cieux sont tout ça. Que les églises des cieux, là, on parlait du ciel qui est là, là. C'est-à-dire qu'il faut que le ciel s'ouvre pour que la pluie puisse réellement tomber. Ce qu'il dit, ce n'est pas faux. Il fallait que l'église des cieux s'ouvre pour que la pluie puisse tomber. Mais attention! Qui ouvre les écluses des cieux? Dieu. Dieu. Ah. Il a fermé. Même ciel qui est ouvert là, ça reste fermé. Ah. Ciel, comment ouvre? Élie a dit que le ciel sera fermé. Le ciel est peut-être même ciel qu'on a, qui est là, là. Mais pourquoi plus descendre? C'est-à-dire que c'est spirituel. Donc si c'est spirituel, ça veut dire qu'on peut dire à quelqu'un que les écluses des cieux sont ouvertes et les écluses des cieux sont fermées. Donc, il n'y a plus d'un. Explication spirituelle, même pour vous qui êtes aussi dans la nouvelle alliance. Quand tu mets les choses de Dieu derrière, les choses de Dieu derrière, le résultat c'est que la même chose qui est en train de dire à Malachie, ça arrive. C'est une conséquence en fait. Ce n'était pas une malédiction que Malachie est venu apporter. Malachie était venu. Il était venu. Ben c'est un prophète. Le prophète va vous dire maintenant pourquoi ces choses-là vous arrivent. Voilà. Voilà. Les gens sont dans des difficultés maintenant. Maintenant, Malachie vient de la part de Dieu pour leur dire que ce qui vous arrive là, c'est parce que vous-même vous avez déshonoré Dieu. Parce que vous avez dit de l'honorer avec vos biens. Vous l'avez déshonoré. Maintenant, il ne veut pas vous laisser comme ça. Il vous encourage maintenant à revenir, à reconsidérer vos voies et à lui apporter. Il dit maintenant, apportez la maison de trésor pour dire que vous êtes. Et vous allez voir si je ne vais pas ouvrir les écrits dessus. Où est la complication maintenant? Même pas dans l'espace. C'est simple. Voilà. Maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Est-ce qu'on doit payer ou bien donner ou payer la dîme comme les enfants d'Israël le faisaient? C'est la question aussi qui est là. Voici maintenant la question. Est-ce qu'on doit payer ou bien donner la dîme comme les enfants d'Israël le faisaient? Maintenant, quand les enfants d'Israël apportaient la dîme, généralement, c'était quoi? La nature de la dîme, c'était quoi? Pourquoi va où? Comme on le cherchait, c'était des vivres. C'était des vivres. Voilà, c'était des vivres ou bien, voilà, ce qu'ils avaient comme des animaux, tout ça. Amen? Voilà. Maintenant, si nous, de manière pratique, on veut pratiquer ça, est-ce qu'on fait ça? Je n'ai pas compris la question. Je dis. Est-ce qu'un chrétien dans la nouvelle alliance, un disciple du Seigneur Jésus, est-ce que réellement il pratique la dîme telle qu'on a lu ici, telle qu'on a lu dans la loi de Moïse? Est-ce qu'il pratique ça? Du coup, la question va le chiffre. Non. Pourquoi? Bon, parce que la dîme que nous apportons, c'est plus en espèce, c'est plus en argent qu'en en vivre. Ok. Quelqu'un veut dire autre chose aussi? Ce qu'il t'a dit, c'est pas faux. Je vais le lire sur ça. Ouais, le micro, ça passe plus. Hein.
Oui, quelqu'un veut dire quelque chose d'autre? Oui, donnez à... Je dirais qu'avant, il y avait des bergers. On en trouvait partout. Surtout en Israël, il y avait des bergers partout. Et les brebis, les boucs, on en trouvait en abondance. Mais aujourd'hui, on n'en trouve plus ça. Quelqu'un veut dire encore autre chose? Oui, frère Richemont. Moi, je dis oui, on peut toujours payer la dîme comme dans l'ancienne alliance. Mais ça dépend maintenant du domaine de chacun. Voilà, s'il est un berger parmi nous, il n'est pas par exemple un fonctionnaire. En fonction de ce qu'il a, il apporte. Si c'est un cultivateur, voilà, ce qu'il a aussi, il prélève dans sa dîme, puis il apporte. Non, s'il apporte, supposons que c'est les brebis. Quand ça suffisait, comment ça suffisait avec les brebis? Exactement. Bon, si c'est un berger qui est parmi nous, il apporte, on appelle ça les prémices. C'est ça, non? Les prémices de son troupeau, voilà, à l'église. Maintenant, de manière pratique, comment ça se fait? À la fin, ça veut quoi? On doit faire quoi à l'animal? Là, on doit faire quoi? Et puis son sang là-bas. Et si c'est ça en fait? Non, non, non. Donc, on ne fait pas ça. Vous comprenez maintenant, non? Donc, les débats sur la dîme, là, c'est vrai que quand les gens parlent de dîme, en fait, les assemblées, toutes les assemblées, hein, comme j'ai l'habitude de dire à mes frères qui font les débats inutiles, je dis si on veut bien regarder là, il n'y a aucune assemblée que vous êtes en train de taxer. Non, les assemblées qui paient la dîme, il n'y a aucune qui paie la dîme. C'est l'esprit de la chose qu'ils ont pris, c'est tout. C'est l'esprit de la chose. C'est pour ça que Mardochée a pris il a donné sa réponse. Il a dit que nous, quand nous apportons, il va dire que très souvent, réellement, c'est par exemple en argent, tout ça. On n'a pas dit que si quelqu'un a une dîme ou une prémisse de telle chose, il ne peut pas apporter ça en offrant à l'éternel. Si, mais on voit que dans la pratique là, si, tu sais que dans le peuple de Dieu, c'est de l'argent, on a besoin, c'est peu que tu as envoyé. C'est peu, c'est le cabri que tu as envoyé. Donc, je veux que vous grandissiez, vous allez dans l'esprit en fait de la chose. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Amen. Oui. Maintenant, c'est pour cela que les apôtres maintenant vont prendre l'esprit maintenant de ça pour aller dans le Nouveau Testament que nous allons lire le verset. Galates. Avant de lire Galates, prenons 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Lisons à partir du verset 11. Qui est en ligne, j'espère que vous suivez, que Dieu vous bénisse, soyez patient. Prenons 1 Corinthiens chapitre 9. Qu'en est-il maintenant de nous, nous qui sommes maintenant dans la nouvelle alliance? 1. On a compris que l'offrande, c'est dans un esprit d'adoration. Amen. Donc, avec nous, les chrétiens de la nouvelle alliance, nous sommes aussi concernés parce que nous sommes des adorateurs. Amen. Amen. Maintenant, de manière pratique, est-ce que nous allons apporter également de la même manière que les enfants d'Israël le faisaient? On voit que quand vous allez lire dans le Nouveau Testament, vous n'allez pas voir un apôtre ou bien le Seigneur même donner un enseignement sur ce qu'est ce que même la dîme. Comment voilà. Vous n'allez pas voir, n'est-ce pas? Maintenant, de manière pratique, comment ça va se passer? L'esprit de la chose va continuer, mais ça ne sera pas de manière, comment on appelle ça même? À la lettre, comme les gens faisaient avant. C'est ça le problème. Et c'est ça que les gens vont faire des débats inutiles. Regardez. 1 Corinthiens 9, verset 1. Oui. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels. Si vous écoutez maintenant, parce que c'est à nous qu'on parle. Donc chacun de nous est concerné. Tout le monde est concerné maintenant ici. Donc faisons encore très attention à ce qu'on a dit. Ici, c'est l'apôtre qui parle. L'apôtre Paul a évangélisé la ville de Corinthe. Donc, il a ses disciples dans la ville de Corinthe, les disciples du Seigneur Jésus qui ont été gagnés par son ministère. Ils sont à Corinthe. Donc, l'apôtre Paul a écrit une lettre maintenant pour eux. Amen. Maintenant, il dit, lui et ses compagnons, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Donc, donnez-lui aussi votre version. Donnez-lui rapidement. Donnez-lui. Si nous avons semé quoi? Vous avez lu un don de compte. Si nous avons quoi?
que parmi vous, le bien spirituel. Si nous avons besoin. Semer. Oui. Le bien spirituel. Le bien spirituel, oui. Est-ce qu'une grosse affaire de votre aussi le bien matériel? Donc, souligner les deux biens. Le bien spirituel, c'est quoi? L'enseignement, la parole, la prière. Vous êtes d'accord? Amen. Vous êtes d'accord? Amen. Ok. Oui? 1 Corinthiens 9, verset 11. J'ignore. Puisque nous avons semé parmi vous les biens spirituels, serait-ce de notre part une prétention exorbitante si nous... Si nous attendions de vous quelques avantages matériels. Est-ce que on doit faire par là? Est-ce qu'on doit faire, par là de corps pour espérer, pour comment on appelle ça, espérer des biens matériels si on a déjà déposé en vous des biens spirituels? Maintenant, je vais vous expliquer ça dans la profondeur de ça. Vous êtes correct, vous pouvez écouter. En réalité, Dieu est là, il est juste. Dis avec mon Dieu est juste. Dieu est juste. Et puis, dis avec mon Dieu est esprit. Dieu est esprit. Écoute-moi très bien. C'est pas possible que tu es là, tu reçois des biens spirituels. Tu es là, tu reçois des biens spirituels. Tandis qu'en retour, toi, tu ne t'investis pas aussi dans l'autre. C'est pour cela que vous allez voir. Que tu puisses recevoir l'esprit, il vient de parler maintenant. Vous êtes le mien, donc il peut vous parler. Pour que tu puisses recevoir l'esprit de quelqu'un que tu suis, tu dois investir dans sa vie. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un que tu couches à jour, qui te nourrit, qui veut pour toi, qui fait telle chose, tu peux investir dans sa vie. C'est des réalités spirituelles, même chez les gens qui sont, comment on appelle ça, les gens qui sont dans. Les choses là, les fétiches, tout ça là. D'après eux, ils disent qu'il a son marabout. Il dit qu'il a son marabout. Le jeu qu'ils sont. Il sait que ah, ce qu'il est en train de faire là, il est en train de réussir dedans parce que, comment on appelle ça même son marabout est en train de chimer. Ils sont en train de parler de ces choses là, même si c'est la force voix pour eux. Toi, ton marabout, ce n'est pas, mais c'est Dieu. Amen. Voilà. Dieu n'est pas un marabout, mais ils sont en train d'expliquer pour que tu puisses comprendre. Toi, tu n'as pas de marabout, toi, tu as Dieu. Amen. Maintenant, Dieu est un oracle. Il y a quelqu'un qui l'a mis devant pour toi. C'est important. Et les gens négligent ça. C'est pour ça que les gens refusent qu'il y ait pasteur, père spirituel, tout ça. Ils ne veulent pas ça parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait quelqu'un vers qui ils vont apporter ce qui est à l'éternel. Ils ne veulent pas ça. C'est pour ça qu'il y a toutes ces raisons. Les gens s'opposent les choses. Il y a toutes ces raisons. Si vous devez faire attention. Maintenant, écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit que si nous avons sémé, chez vous, les biens spirituels, est-ce réellement une quoi? Une grosse affaire si on fait quoi? Si nous récoltions en retour les biens matériels. Maintenant, moi, je vous dis qu'en réalité, c'est pour cela qu'on a pris notre temps pour vivre bien dans la loi. Vous avez vu tout ce qu'on a accordé à Aaron. Telle des choses, Aaron. Tu lis la Bible, quand tu commences à voir tous les problèmes d'Aaron, tu dis, ah, Dieu, tu l'as gâté. C'est un principe spirituel. C'est naturel, c'est un principe spirituel. Tu ne peux pas dire que, ah, c'est quelqu'un que Dieu a mis comme tout pour toi, pour que tu puisses, il a été un instrument, un canal, pour que toi, tu puisses recevoir, c'est-à-dire que la visitation de Dieu. Mais tu dis non que, ah, voilà, toi, tu veux recevoir seulement. Tu veux recevoir seulement. C'est pas un bon comportement. On est d'accord. C'est pas un bon comportement. Tu dois normalement. C'est pour ça que maintenant Paul dit que est-ce que ça c'est un tout? Tout ce que réellement on a fait, c'est un trop. C'est une grosse affaire si nous espérons. Voilà. Maintenant le problème c'est quoi? Un pasteur dans sa dignité, lui il ne va pas espérer recevoir quelque chose de toi en retour. C'est-à-dire qu'il ne va pas. Fais cela pour recevoir telle chose. Il ne va pas te donner d'enseignement. C'est-à-dire que le but là, l'objectif de son enseignement, l'objectif de tout ce qu'il fait, c'est pour qu'il puisse recevoir des biens. Non. Il ne va pas te pousser pour ça, à cause de sa dignité et puis à cause du Seigneur, il ne va pas te pousser pour ça. Mais toi, tu dois être sage, tu dois être intelligent pour savoir que, j'écoute la parole. Je suis béni, j'étais même dans le monde. Oh, quelqu'un, Dieu l'a utilisé, il m'a mêlé, je suis venu, il m'a enseigné, il m'a donné les rudiments. Il faut mettre. Ah, quand même, je dois être quand même un peu reconnaissant. Voilà, c'est ça.
C'est la reconnaissance d'avoir nous parler ici. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Amen. Ça ne doit même pas être un projet, ça doit être quelque chose de naturel, on ne doit même pas vous suivre ça. C'est pour ça jusqu'à présent, vous êtes avec moi ici. J'ai déjà poursuivi qui par rapport à ça? Personne. Pas poursuivi quelqu'un pour dire que, ah, ma fille José, toi, maintenant là, voilà, c'est comme ça. J'ai déjà fait ça? Non, personne. Je dis que ce n'est pas ça que je cherche. Mais je suis de vous enseigner les voies de Dieu. Non, non, c'est normal. Pas pour que je cherche Dieu. C'est pas toi qui as fait. Oui, allons-y, continue. Verset 12. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous. Maintenant il dit, si d'autres jouissent de ce droit, souvenez droit. Si d'autres jouissent de ce droit. On avait parlé dans non-droit. Le droit de quoi? Le droit d'onction. Le droit d'onction. C'est pour ça que vous avez dit quoi? Si vous pensez que tout ce qui est derrière Matthieu, c'est la loi, vous n'allez pas comprendre beaucoup de choses. Comment est-ce que ça devient un droit? Le droit là, on dit que c'était le droit d'onction. Droit d'onction, comment on dit dans un droit de service en fait? Droit de sacerdoce, pas du ministère. C'est ça qui est l'onction qui est utilisée. Ouais, voilà. Le droit, donc, c'est très important de nous dire le droit. Oui. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous. N'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? N'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Mais nous n'avons point usé de ce droit. Pourquoi ils n'ont point usé de ce droit? Oui. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Lis dans l'autre version. Écoutons bien. Semeur, allons-y rapidement. Semeur. Ok. Ou bien comme il est là, donne. Et pourtant, vous le savez. Vous le savez. Ceux qui font le 7. Non, verset 12. Du moment que d'autres exercent ce droit sur vous. Du moment que d'autres exercent ce droit sur vous. Ne l'avons-nous pas à plus forte raison? Eh bien. Nous avons préféré ne pas user de ce droit. Maintenant, il dit, que nous n'avons pas usé de ce droit. Voilà l'esprit de la chose. Nous avons préféré. Il dit préféré. Quand on dit préféré, ça veut dire quoi? Choisi. Bon, quand il utilise l'expression, relis bien le compte. Tu relis les passages qui essaient tout ça pour qu'on puisse comprendre. Puisque nous avons sémé parmi vous les biens spirituels. Puisque nous avons sémé parmi vous les biens spirituels. Ce serait de notre part. Une prétention exorbitante si nous attendions de vous quelques avantages matériels. Est-ce que c'est être matérialiste? Est-ce que c'est être un profiteur de pouvoir espérer quelque chose en retour de ce que tu as investi des choses spirituelles? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est trop demandé? Est-ce que c'est quelque chose? Maintenant, dis-moi. Du moment que d'autres exercent ce droit sur vous, que d'autres sont en train d'exercer au moment où je parle ce droit sur vous, ne l'avons-nous pas à plus forte raison? Est-ce que nous n'avons pas ce droit-là? Oui. Eh bien. Nous avons préféré ne pas user de ce droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ici, dans ce contexte-là, c'est comme nous avons personnellement décidé de ne pas user de ce droit. Voilà. Ça veut dire que ça, c'est quoi? Est-ce que c'est ça qui est la règle? Non, c'est pas la règle. Voilà. C'est pas ça la règle. La règle, c'est ce qui devait être normal. Ce qui devait être normal, c'est qu'eux devaient recevoir le droit de leur pension. Qui suit? Voilà. Eux devaient recevoir le droit. Mais, comme il y a un problème, donc on choisit quelque chose, c'est mieux de faire quelque chose. Vous allez comprendre pourquoi. Allons-y seulement. Eh bien, nous avons préféré ne pas user de ce droit. Oui. Au contraire, Nous supportons tout, oui, afin d'éviter de faire obstacle, si peu que ce soit, à l'évangile du Christ. Et pourtant, vous le savez. Pourquoi ils disent que ça peut être un obstacle à l'évangile du Christ? Ça veut dire qu'il y a un problème qui se passe actuellement. Le problème, c'était quoi? Si vous avez bien lu la lettre aux Corinthiens, on a déjà plusieurs fois parlé de ça, même quand on disait on a fait l'étude sur l'épître de Thessalonique, on a fait aussi On a parlé de ces choses, de cette réalité-là. Pourquoi? Il dit que ça devient comme ça dans l'évangile. Oui? Bon,
moi, ce qui me rappelle bien dans les études qu'on avait fait, on avait dit que l'église de Corinthe. Non, du coup. Parmi les églises que l'apôtre Paul avait fondées, l'église de Corinthe était celle qui ne soutenait pas matériellement les apôtres. Mais. Est-ce que vous comprenez ça? Puisque quand il a commencé par lire, vous n'avez pas vu. Quand on a commencé dans les premiers versets, vous n'avez pas vu. Il se dit, est-ce que c'est une... Il dit que nous avons semé sur vous les biens spirituels. Maintenant, est-ce une grosse affaire si nous recevons retour les biens matériels? Ça veut dire que la réalité, c'est quoi? La réalité du terrain des Corinthiens, c'est quoi? Les Corinthiens refusaient. Les Corinthiens réellement sont avares. Ils sont super chers. Ils sont dans l'égoïsme. Et si ça va, mais c'est bon. Si ça va seulement, c'est bon. Mais il y a d'autres qui préfèrent par rapport aux apôtres. Pourtant, c'est les apôtres qui se sont donnés pour eux. C'est les apôtres, c'est comment on appelle ça. Il y a d'autres qui préfèrent par rapport au groupe de Paul, puisque c'est la mission de Paul qui les a menés au Seigneur. Amen. Mm-hmm. Et pas la mission de Paul, c'est parce que vous comprenez mon langage. Mm-hmm. Voilà. C'est-à-dire que c'est Paul et son groupe, c'est eux qui les ont évangélisés, c'est eux qui les ont appris les premiers rudiments, comment on parle de le Seigneur, tout jusqu'à ce qu'ils ont avancé. Maintenant, où ils ne sont pas là, où à cause des persécutions et puis de l'œuvre de Dieu, ils sont un peu ailleurs, normalement, pour que l'œuvre de Dieu puisse continuer, vous devez nous soutenir toujours pour continuer. Mais il y a des gens qui sont venus. Non seulement qu'est-ce qu'ils ont fait, ils ont levé nous notre affaire dans votre cœur. Je vais vous expliquer ça. Puisqu'ils ont insulté le ministère de l'apôtre Paul. Comme vous lisez dans la lettre aux Corinthiens, première épître aux Corinthiens, vous allez voir qu'il y avait ceux que l'apôtre Paul a tassé, les super apôtres. Amen. Ils disent que ceux-là, ils servent Dieu pour leur ventre. Donc, eux venaient juste pour les intérêts des gens. Mais ils ne venaient pas pour que les gens puissent rentrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, eux, quand ils venaient avec aussi des gros titres. Ils venaient avec beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on peut les appeler en griffe les super apôtres. C'est-à-dire que les gens commençaient même à les préférer. Et c'est pour ça que les gens commençaient aussi. Il n'y avait pas seulement eux. Il y avait aussi d'autres qui étaient des vrais apôtres aussi. Mais, par exemple, quand vous lisez, on dit que les gens de la maison de Chloé, Chloé sont venus dire à Paul que d'autres disent ah, ils sont de chez qui? Céphas. D'autres sont de qui? Apollos. D'autres sont de qui? Christ. Donc chacun dit les têtes de son groupe, tout ça. Et puis l'apôtre Paul ici est obligé de mettre pour dire qu'en réalité, que quoi? Et qui est Céphas, qui est Paul? Qui est Paul, qui est Céphas? Et chacun avait son groupe. Et puis après maintenant, il va, quand vous allez arriver jusqu'au chapitre 3, il va dire mais en réalité même là, qui a posé le fondement? Non, il dit le fondement c'est Christ. Mais qui a posé le fondement? C'est lui. Voilà. C'est pour ça qu'il dit que chacun fasse attention de la manière dont on va bâtir là-dessus. C'est-à-dire que l'œuvre là, vous là, c'est nous on a commencé, c'est nous on vous a envoyé dans le Seigneur. C'est nous qui avons enseigné les premières choses. Aujourd'hui, il va vous parler, vous comprenez? Si vous lisez, quand vous lisez, vous devez voir ce qu'il a dit. Aujourd'hui, vous avez laissé, vous préférez d'autres. Les autres ont compté, ils disent, ah, on a baptisé. Moi-même là, je ne suis pas venu pour baptiser. Quand vous écoutez la parole, vous allez voir. Nous, quand on dit, on voit. Amen. Amen. Voilà. Donc, la réalité du terrain, c'était de quoi? Les gens ont commencé à délaisser l'apôtre dans sa mission. Dans son apostolat, ils ont commencé à le délaisser ou préférer d'autres. Or, vous savez qu'on a dit quoi? Le principe, c'est que quand on ne soutient pas, le serviteur, dans la maison, dans le... La maison du trésor est vide. La maison du trésor sera vide. Voilà. Mais la maison du trésor là, ce n'était pas un entrepôt physique qui est là. Uh-huh. Vous voyez que c'est dans l'esprit maintenant. Vous allez voir la pauvre va aller faire tente. Vous allez indiquer c'est son travail. Ça va pas, il y a aller faire quoi? Attendez, il y a dit ça. Attendez, papa. Pourquoi c'est là? Acte. On va le voir sur ces passages, vous allez voir tous ces détails là. Parce que, Acte chapitre 18, verset 1. Acte chapitre 18, verset 1. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont. Récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Et comme ils avaient le même métier,
il demeura chez eux et il travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Paul discourait. Paul discourait. Ils étaient faiseurs de tentes. Non, on va aller maintenant la partie. Quand Timothée et puis Sida sont venus, là maintenant c'est donné tout entier à la parole. Donc on va aller au passage. Ici, on voit que il s'est mis avec eux, comme il était faisait des temps, il s'est mis avec eux, il a fait aussi le métier de fusil, c'est des temps. Verset combien? Verset 5. C'est le même chapitre. Ok, verset 5 dit quoi? Il dit, mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine. Ouais. Vous connaissez les Macédoniens? Regardez-moi ici. Suivez tout le monde. Suivez tout le monde. Concentré. Vous connaissez les Macédoniens? Hein? Les chrétiens de Macédoine, quelles étaient leurs dispositions? Quelles étaient leurs dispositions vis-à-vis du Seigneur puis des apôtres? Oui, frère Bafou. Les Macédoniens, en fait, c'était d'abord eux-mêmes volontairement donnés, puis par la suite, ils ont donné leur bien. Et l'apôtre Paul a dit comme ça que leur pauvreté profonde a produit de riches libéralités. De riches quoi? Libéralités. On dit qu'ils ont donné. Maintenant, on dit les deux éléments de l'apôtre Paul, qui étaient qui et qui? Silas et Timothée. Donc, ils viennent d'où? De la Macédoine. Quand ils viennent là, vous lisez la Bible, hein? Hein, c'est bien. Ils sont quoi? Voilà, c'est ça. Hein. Voilà, c'est ça qui est la liste. Ils se déplacent avec quelque chose. Ils sont quittés. Oui. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, oui, il se donna tout entier à la parole. Mon but a parlé comme ça. Il faut continuer les choses là, comment on appelle ça, mais faisait des tentes. Non, tu ne peux pas continuer. Il n'est pas faisait des tentes. C'est un apôtre. Un apôtre qui s'en va pour aller gagner des âmes, partir des églises. C'est son travail qui est là. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Maintenant, la situation, il y a une situation difficile. Voilà. Là, il faut vraiment ces jetons ici. Les faisait des tentes. Amen. Vous comprenez maintenant? Voilà. Donc, allons-y maintenant dans le passage. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens 9, verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées. Maintenant, ici, vous quittez maintenant. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées. Que ceux qui remplissent les fonctions sacrées. Sont nourris par le temple. Sont nourris par le temple. Et ceux qui servent à l'autel. On part à l'hôtel. Que ceux qui servent à l'hôtel, on part à l'hôtel. Il n'y avait pas un verset qui précède la langue qui dit ça. Le verset qui précède, c'est quoi? Le verset qui précède, c'était si d'autres jouissent, okay, se doivent sur vous, oui, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Oui. Mais nous n'avons point usé de ce droit. Oui. Au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Oui. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? C'est-à-dire qu'ils doivent savoir. N'est-ce pas? Oui. Ne savez-vous pas? Et ceux qui remplissent les fonctions sacrées. Que ceux qui remplissent les fonctions sacrées. Sont nourris par le temple. Sont nourris par quoi? Par le temple. Qui faisait la fonction sacrée? Dans le temple. C'était qui? Les Lévites. Et puis Aaron et ses fils. Voilà. C'est eux qui faisaient ça. Maintenant, lui, maintenant, ils ont cherché quoi là-bas? Lui aussi, les serviteurs de Dieu pour Aaron. Maintenant, pourquoi ils ont à prendre dans l'exemple de l'ancien des arbres? Et puis c'est nous, on ne peut pas prendre des âmes dans cette salle. Est-ce normal? Non. C'est parce que c'est non. C'est parce qu'en réalité, ils avaient compris l'esprit de la chose. C'est pour ça que je vous ai dit que ce n'est pas des doctrines qui sont venues inventer. C'est la réalité de ce que Dieu avait déjà consigné, que maintenant ils viennent maintenant exposer au peuple de Dieu. Vous comprenez maintenant? Amen. Voilà. C'est pour ça maintenant qu'il est revenu sur cette affaire de temps. Et il est revenu sur cette affaire de fonction sacrée. Amen. Je vais parler de. Écoutez. Que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. Mais il dit que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. Or, ici vous savez que l'autel c'était quoi? L'autel c'était là où on sacrifie. Amen. Amen. Mais ici, il avait le peuple de Dieu dans la nouvelle alliance et il parle encore d'autel. C'est un exemple qu'il est en train d'expliquer maintenant sur ce qu'il avait dit, ce qu'on avait vu dans Nombre. Alléluia. Là où on apporte réellement l'offrande. Il est en train de parler d'eux. Vous voyez que le principe d'autel. Spirituellement, est toujours encore là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà.
Allons-y. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile. Non, il dit, qu'il dit de même aussi. Là, il vient de dire quelque chose. Et puis il dit de même aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? De la même manière. De la Dieu, même là. Manière que ce que Dieu doit faire là-bas, nous aussi, c'est vous, c'est ça aujourd'hui. C'est pour ça que vous quoi? Que la dîme, on ne va pas donner ça comme les animaux qu'on envoie en ancien testament, mais l'esprit de la chose demeure. Dis à ton frère, l'esprit de la chose demeure. L'esprit de la chose demeure. Est-ce qu'on est d'accord sur son Dieu? Si tu n'es pas d'accord, si tu ne comprends pas, on va expliquer. Okay, l'esprit de la chose demeure. Amen. Amen. Voilà. L'esprit de la chose demeure. C'est puisque est-ce le Dieu qui avait ses serviteurs dans l'Ancien Testament, est-ce qu'il a tous ses serviteurs dans le Nouveau Testament? Oui, oui. Maintenant, si quelqu'un te dit, mais dans le Nouveau Testament, tout le monde est serviteur. Vous avez déjà donné ça aussi? Oui. Que dans le Nouveau Testament, tout le monde est serviteur. Donc on va donner à qui? À qui? Alléluia. Amen. C'est ça les gars, c'est ça. Voilà des choses comme ça. Oui. Mais non, quand la foi parle aux Corinthiens. Les Corinthiens ne sont pas les serviteurs aussi. Maintenant, pourquoi il parle de nous? Il est distinct. Parmi les serviteurs, il y a une distinction. Dis à ton frère, parmi les serviteurs. Dis à ton frère, parmi les serviteurs. Parmi les serviteurs, il y a une distinction des serviteurs. Il y a une distinction des serviteurs. Regardez. Allons-y, allons-y. De même aussi, oui? Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile. De même aussi, le Seigneur a ordonné. Souligné, ordonné. Puisque dans l'ancienne alliance, il lui avait ordonné que ceux qui sont réellement dans le temple puissent être nourris par le temple. Ça, c'est l'ordre qui était là. Amen. Amen. Donc aussi, il dit de la même manière, le Seigneur aussi a ordonné. Donc là, c'est le Seigneur qui parle. C'est un ordre du Seigneur. Le Seigneur aussi a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile, ceux qui annoncent l'évangile, de vivre de l'évangile. Ceux qui annoncent l'évangile, de vivre de l'évangile. Maintenant, vous savez que les cons, vu que l'évangile, qu'est-ce que ça veut dire? C'est plus loin. Oui, sœur Thierry. Vivre des offrandes que le peuple apporte à l'Éternel, le Seigneur. Oui, ça va. Est-ce qu'il y a un petit sang ouvertement comme ça? Est-ce qu'il y a un petit sang? Vas-y, fais-le, tchati, tchati. Un jus que tu as, voilà. Les commentaires que tu composes à ta compagne. On dit, voilà les gens comme ça, c'est les gens qui sont abrutis, les pasteurs sont venus vous blaguer, sont venus vous enrichir sur vos dos. Que comme ils vont vivre de vous bientôt. Quand ils disent ça, là, c'est normal. Est-ce que vous n'entendez pas ça? Oui, ils ne sont pas là. C'est dit. Tu es dans le royaume de Dieu, non? Il faut fonctionner selon les règles du royaume. C'est simple. Il y a les voix des hommes et les voix de Dieu. Dieu dit, ah, moi, chez moi, voilà comment ils fonctionnent. Si eux, là, ce qu'ils ont approuvé. Si Dieu t'a permis d'être dans une bonne assemblée, une bonne mission, avec un bon pasteur, dis gloire à Dieu, fais ce que tu dois faire. On est d'accord? Fais ce que tu dois faire. Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre l'évangile. Donc, ce n'est pas dans ton droit de dire, pasteur, au lieu de venir faire les choses en droit, de l'offre, il faut aller travailler. Tu es là, tu es paresseux comme ça, il faut aller travailler. Allez, c'est pour lui qu'on parle aux hommes. Les gens qui parlent comme ça. Comme ils vont aussi souvent parler directement, ils vont aller sur Facebook. Ils vont aller prendre une prédication là-bas où il y a des seigneurs pasteurs aussi également qui ont été corrompus. Parce qu'ils ne veulent pas écouter l'ordre du Seigneur. L'ordre du Seigneur, c'est quoi? Le Seigneur a ordonné quoi? À ceux qui annoncent l'évangile, doivent vivre de l'évangile. Voilà. Si tu annonces l'évangile, ça veut dire que c'est ton travail qui doit être annoncer l'évangile. Ah. Ça aussi, ça n'arrive pas à tout le monde. Que mon travail soit annoncer l'évangile. Ça n'a pas de problème. Ça, le problème. Mais si ton travail, c'est annoncer l'évangile, Jésus dit que, ah, ton droit d'onction, non, mais je vais te. C'est moi qui dois te payer compte, ça, c'est plutôt dans cet testament. Voilà. Maintenant, ce que tu vas ce qu'on va me donner là, moi, je vais te donner. C'est la même chose, mais c'est pas la même chose. Ceux qui annoncent l'évangile, de vivre de l'évangile. C'est simple. Continuons. Pour moi. Maintenant, il dit. Il dit pour moi. Il dit pour moi. Je n'ai usé d'aucun de ces droits. Je n'ai usé d'aucun de ces droits. C'est pas que c'est un droit. Mais moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Maintenant, les gens sont allés prendre cette partie de l'apôtre là pour faire maintenant la doctrine. Il dit que un pasteur réellement, il doit renoncer à ses droits. Est-ce que c'est juste? Quand il dit un pasteur doit renoncer à ses droits, c'est toi qui as va.
Si ce n'est pas d'accord, c'est toi qui as pas. Toi, tu n'as pas de droit, toi, tu n'as pas de devoir de même. Dans l'église, tu n'as pas de devoir, dans le peuple de Dieu, tu n'as aucun devoir. Ça, c'est quoi ça? Tu peux avoir un devoir dans on avait ça dans l'église, dans l'œuvre de Dieu, dans le peuple de Dieu, tu dois avoir un devoir. Tu ne dois pas dire à l'autre de renoncer à ses droits. C'est l'autre lui-même, c'est lui-même qui doit dire moi, je renonce à mes droits. Mais s'il renonce à tes droits là, pourquoi il a renoncé à ses droits? Il faut savoir ça aussi. C'est ça, on est en esprit. Quand tu es en face de toi, des gens qui sont venus parler, chaque jour, affaire d'argent, voilà, il faut donner ça. Tu seras milliardaire, il faut donner l'évangile de prospérité, l'évangile de prospérité. Si chaque fois, tout le monde parle d'évangile de prospérité, pour que nous on soit différents d'eux, on va prêcher ça. N'est-ce pas? Souvent, on ne va même pas chercher, on va même pas désirer ça. Pour ne pas que vous puissiez nous confondre comme si on est la même chose. C'est pour cela que l'apôtre a refusé ses droits à Corinthe. Parce qu'à Corinthe, les gens prêchaient pour leur vente. Donc, si on vient parler d'argent, on va penser que quoi? C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez que c'est rare qu'il parle de ces mêmes choses. Mais si je ne parle pas de ça, ça ne va pas vous aider dans votre condition d'adorateur de l'éternel. Et il faut que aussi vous soyez équipé dans ce domaine. Amen. Amen. Voilà. Sinon, vous venez parler, dites non. Voilà. Non. Mais comme c'est un aspect aussi de votre sanctification, parce que vous ne voulez pas que vous soyez avare, vous ne voulez pas ralentir aussi l'œuvre de Dieu. Donc il faut qu'on enseigne ces choses. Voilà, Jésus. Amen. Continue. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi. Voilà. Donc, il parle là, c'est pas parce qu'il cherche réellement, voilà, il cherche à réclamer quelque chose. Mais attention, pendant qu'il est en train de parler, sachez qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de quoi? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Puisque l'apôtre, la seule église qu'il avait fondée, c'était pas seulement à Corinthe, il y avait d'autres églises. Amen. Qui ont eu réellement la sagesse d'apporter réellement des dons, soutenir le missionnaire. Énorme, c'est dans ton effet. Alléluia. Oui. Car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Voilà. Si c'est pour qu'il soit comparé aux gens qui parlent à tête d'argent, les prophètes ne peuvent jamais parler d'argent. Les prophètes même ne peuvent pas donner cet argent. Parce qu'il ne faut pas que là même, là, tu vois que c'est l'homme qui parle ici. Lui-même, c'est sa fierté. C'est sa dignité qui ne veut pas bafouer. Est-ce que vous comprenez? C'est comme tu es en face de quelqu'un qui a des gens qui sont, par exemple, qui veulent te. Vous savez qu'il y a des gens qui ont changé les messages. On a pris cet exemple tout à l'heure. Les gens sont assis dans l'église qui sont qui travaillent à l'aéroport, qui sont des ministres, qui sont des quoi, je vois un exemple comme ça, hein. Les gens qui sont des hommes d'affaires, tout ça, mais qui vivent mal. Et eux, ils veulent t'influencer. Amen. Ils veulent t'influencer. Ils veulent que voilà, tu parles selon leur penchant, tout ça. Parce qu'ils savent qu'en retour, quand tu dois par exemple aller faire des missions, c'est eux. Qui doit vous donner les finances pour que tu puisses aller faire des missions. Quand on a besoin d'un tel instrument dans l'œuvre de Dieu, c'est eux qui ont les moyens, c'est eux qui doivent donner. Donc, en ce moment-là, je dis quoi? Tu as besoin d'eux. Sans eux, tu n'es rien. Voilà comment les gens pensent. Donc, quand toi, tu es sage, quand tu bois de l'eau, tu connais les esprits déjà. Lui, là, tu vas espérer quelque chose de lui. Si tu espères quelque chose de lui, c'est que tu es en train de creuser ta loi. Donc, toi, tu es là. Lui qui est là, cette personne qui est dans cette condition, toi, il faut nourrir ton argent. Ne pouvais mourir que de pouvoir changer mon évangile à cause de toi. C'est ça que la route en arrive. Vous comprenez maintenant? Oui? Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, oui. Car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi, oui. Si je n'annonce pas l'évangile. Je ne suis pas venu comme ça, quand il fait le mot, tout le monde dit, ah, mais pasteur, moi, si je viens dire ici, pasteur, pour faire tout ça, non, c'est pas moi-même là. Je n'ai pas résisté à la vision céleste. Jésus m'a attrapé comme ça. Il m'a dit, ah, va me servir. Puis je n'ai pas résisté à ça. Puis j'ai comme ça le servir. Oui. Donc si je n'annonce pas l'évangile, qu'est-ce qui va se passer? Malheur à moi. Malheur à moi. Oui. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Ça veut dire que les gens ne sont pas en train de faire le bon cœur. Ils font cela en cherchant le gain. C'est ça que l'apôtre Pierre va revenir sur ça dans 1 Pierre chapitre 5. Quand il va parler au berger. Vous avez vu, non? Qui a vu ça? Quand il va parler au berger, il va dire que quand vous êtes en train de les servir, faites cela avec. Servez le Seigneur comme des modèles. Soyez des bergers comme des modèles. Ne faites pas cela à cause des gains sortis. Vous avez vu ça, non? Voilà. Parce qu'il y a des gens, chez nous, quand ils voient une âme, ou ils voient une église, c'est l'argent même qu'ils voient.
Vous n'avez pas vu beaucoup de pasteurs comme ça. C'est l'argent qu'il voit. Qu'il voit là, c'est lui. Une personne qui rentre dans l'assemblée d'être, c'est son argent qui commence à calculer. Là, t'es possédé. C'est la possession de la, du démon de la cupidité. Et ça, il faut l'évangile de vérité pour la délivrance. Amen. Oui. Si je le fais de bon cœur, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. J'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. C'est une charge. Ça veut dire que je ne suis pas arrogé le droit de venir faire pour nous me placer en tant que petit apôtre à la coupole. C'est parce que c'est une charge. Dieu m'a choisi pour ça. Oui. Quelle est donc ma récompense? Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce. Sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Sans user de mon droit de prédicateur. Ça veut dire qu'il y a un droit de prédicateur de l'évangile. Et c'est ça là qui est la norme. Qui est d'accord? Amen. Qui n'est pas d'accord? Le droit, ce qu'il y a en train de dire, c'est ça qui est la norme. Quelqu'un qui est en train de servir, la norme, c'est que réellement puisse avoir son droit. Amen. Mais par amour pour le Seigneur, et puis souvent aussi par les réalités. On fait ça, même quand on fait là, même quand il s'est en droit là, il n'y a pas quelqu'un qui aime le Seigneur, puis il a tout le fait aujourd'hui là. C'est parce que ça fait d'argent, ou bien à la fin, on va lui donner. Voilà. Je n'ai pas envie de parler de moi ici. Sinon, vous savez, voilà les trésorés qui sont là. Ce n'est pas avec d'argent. Souvent même c'est là-bas, c'est pas. Quand je ne viens pas les appeler, me dit que, ah, voilà, à moins qu'il y ait des problèmes par rapport même à leur vie, c'est là que j'appelle, que ah, il y a tel besoin, tel frère, tel besoin, voilà. Donc, ce n'est pas ça la motivation. Un vrai serviteur de Dieu doit savoir que ce n'est pas ça la motivation, l'argent, c'est pas ça la motivation. Il doit avoir une discipline par rapport à l'argent, sinon ça va le détruire. Et c'est ça qui a détruit beaucoup de personnes. Ils font le budget par rapport à l'argent, ils font les programmes par rapport à l'argent. Comment on va faire l'évangélisation? Ah! On va faire offrande, il faut mettre 3 offrandes dans l'évangélisation. Ah! Tu donnes gagner les âmes, tu fais 3 offrandes. Tu fais même si c'est une offrande, mais c'est pour. Tu donnes gagner les âmes. Est-ce que tu donnes des bonnes offrandes? C'est aux chrétiens qu'on demande l'offrande. Est-ce que vous me suivez ici? Ils ont de vous dire la vérité. Tu ne peux pas aller prêcher pour aller sauver les âmes et puis tu les demandes l'offrande. C'est les chrétiens qui sont sauvés là, ceux qui donnent l'offrande. Est-ce qu'on est d'accord aussi? C'est pour ça que si vous ne devez pas aller évangéliser, vous espérez les enfants. Vous partez les évangéliser ou non? Vous partez les évangéliser, vous partez les amener au Seigneur. C'est pas pour dire que, ah, il y a des gens qui rentrent en bus. Puis, un jour, il était dans le car, il dit, j'ai failli avoir la musique. Ah, mon mec, il s'est levé, mais là, il a pu saluer au nom de Jésus. Il était déjà content. Il dit, ah, voilà, je suis dit, avec un homme de Dieu. Oui, il s'est levé, il y a quelqu'un qui clairement, il s'est levé, il a commencé à évangéliser. Et bizarrement, il commence à parler, dit donc, ah, en tout cas, préparer en tout cas l'offrande, en tout cas, on va faire les prières, donc préparer mon offrande. Tu veux évangéliser des personnes et tu commences à parler réellement d'offrande. C'est triste. Amen. Amen. C'est triste. On ne fait pas ça. Donc, tu veux évangéliser en même temps. Voilà. Et c'est que. Les évangélistes vivent de l'évangile. Amen. Le Seigneur Jésus, comme on appelle ça, vraiment, dit ceux qui annoncent l'évangile, ceux qui annoncent l'évangile, mais c'est volontaire. Amen. Quelqu'un qui est venu comme ça, il va dire que, ah, tiens. On a été plusieurs fois dans la rue, on a prêché, les gens étaient touchés, les gens vraiment veulent encourager. Vous voyez que c'est dans sa lettre là. Si on veut dire, est-ce que c'est dans sa lettre? Non. Voilà. Mais c'est Dieu qui te donne, mais pas quelqu'un qui touche pour te donner. Amen. Mais toi, tu ne fais pas ça, tu ne prêches pas pour que tu puisses demander réellement. Venez me donner, venez, c'est l'heure de l'offrande. J'ai fini d'évangéliser. Ça, c'est quoi ça? C'est pas ça. Amen. J'ai vu des gens au bateau, bus, qui ont fait ça plusieurs fois. C'est pas ça. Gloire à Jésus. Ou bien, quand il finit de prêcher l'évangélisation, maintenant, quand il descend dans le bateau, à la descente du bateau, il commence à dire béni maintenant. Tu seras béni, là. Si tu donnes, oh, voilà. Tu commences à donner les paroles pour inciter les gens à venir donner. Ah, si tu viens s'aimer, voilà, tu vas recevoir cela, tu vas recevoir cela. Et maintenant, les gens ont dit, on ne peut pas ça. Gloire à Jésus. Oui. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. Oui. Afin de gagner le plus grand nombre. Oui. Avec les juifs, j'ai été comme juif. Oui. Afin de gagner les juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Oui. Quiconque.
Quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Oui. J'ai été faible avec les faibles. J'ai été faible avec les faibles. Afin de gagner les faibles. Afin de gagner les faibles, oui. Je me suis fait tout à tous. Oui. Afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Oui. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Dites, je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part, oui. Ne savez-vous pas? Maintenant il dit, là on n'est pas encore les affaires de la vie. Amen. Amen. Les réalités de la vie. Ne savez-vous pas? Et ceux qui courent dans le stade, ceux qui courent dans le stade, courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Courez de manière à le remporter, oui. Tous ceux qui combattent, maintenant il dit, tous ceux qui combattent, s'imposent toute espèce d'abstinence. Ah, ok, attendez. Tu es au verset combien? 25. 1 Corinthiens 9. Il y a une partie qui parle de. La loi aussi, c'est le verset combien? Voilà. On avait commencé au verset 11, non? Lisez, excusez-moi, lisez le verset 1 jusqu'au verset 9. 1 Corinthiens 9, verset 1. Allons-y rapidement. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Oui, l'accusation, ce qu'il disait. Oui. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur, qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Cephas? Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Est-ce qu'on peut voler maintenant? Répète, est-ce que... Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Nous n'avons pas le droit de ne point travailler. Vous voyez ici, là, il parlait des apôtres maintenant. Puisqu'en réalité, les apôtres, est-ce que les apôtres, vous voyez le travail maintenant? Est-ce que vous voyez maintenant? Vous voyez le travail? Il dit que les apôtres, vous savez que c'est en train de faire les activités. Le Seigneur les a détachés, ils ont laissé. Donc, un apôtre là, il ne fait pas quoi? Il ne travaille pas. Ça veut dire qu'en parlant du travail de la vie, il ne fait pas ça. Il fait un autre travail. C'est pour ça qu'il dit que ce qu'il dit le troisième, c'est ce qui est normal. Les apôtres faisaient le travail de l'évangélisation. C'est ça qui était le travail. Bâtir des églises, aller prêcher l'évangile, c'est ça qui était le travail. Amen. Voilà. Maintenant il dit qu'en réalité, lui en tant que l'apôtre aussi, elle ne sait pas son droit aussi. Voilà. Oui. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Est-ce que vous comprenez ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Allez. Qui fait le service militaire avec lui-même son arrière? Vous avez déjà vu ça? Hein? Tu es allé en guerre, toi tu as financé. Tu vas faire le service militaire toi-même à tes propres frères, tu as déjà vu ça? Voilà. Ça veut dire que quoi? C'est au fond de qui? Le téléphone est celui qui t'a enrôlé. Ils ont des soldats. Soldat, c'est celui qui vit à la solde de l'armée. Amen. Voilà. Non, juste avec toi. Comment? Il est pas toi, juste. Voilà. C'est un soldat. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est à la frontière du Mali là-bas, où on dit qu'il y a un signe Goïta ou quoi là? Hein? Et puis, qui est en train de s'inquiéter de ce que le bailleur va venir. À la fin du mois. Hein? T'es sûr que tu as calé, t'es sûr que tu as dit, t'es sûr que à la fin du mois, là. Pourquoi le loyer va venir? Tu vas faire quoi? Tu vas laisser là. Mais c'est comme ça, nous, les églises, on envoyait des gens, les ouvriers sur le terrain, et puis au lieu de les encourager avec réellement les moyens, on les laisse là-bas. Ils vont laisser les âmes. Et ça, c'est l'œuvre du diable. Il a suscité certaines personnes pour venir dire non, l'église n'apportez pas. Restez là, allez-y donner ça, c'est mieux de donner ça à vos parents. Vous voyez comment ils sont malins. Donc on a dit quoi? Il y a pour l'homme, il y a ce qu'on fait pour l'homme, il y a ce qu'on fait pour Dieu. Dieu n'a pas dit de ne pas donner à vos parents. Dieu dit même donner à vos parents, vous serez bénis. Amen. Voilà. Quand on honore ses parents, on honore avec le respect, on honore aussi ses parents avec les biens. Amen. Mais, il ne faut pas dire non que ce que je dois prendre pour donner à Dieu, c'est ça qui est pour donner à mes parents. Tu annules la parole de Dieu.
Et les mauvais esprits sont venus prêcher les faux messages. Ils disent que l'argent que tu dois prendre pour venir soutenir le Dieu, mon cher, il faut donner ça à ta maman. Il faut donner ça à ta maman. Gloire à Jésus. Il faut que les choses. Donc, le soldat, c'est celui qui vit à la sorte de l'armée. Il ne doit pas s'inquiéter pour voir que c'est pour ça que eux n'ont en fait ce qu'on appelle baila. On ne veut pas qu'à la fin du mois, il y a lui les.